Bien bonjour, donc Max Pereira, que les gens me connaissent un peu par rapport à ma chaîne YouTube peut-être. Hein. Je suis né dans un petit village de deux provinces, donc j'ai grandi à peu près à une heure de Lyon, dans un petit bled, voilà, dans un milieu très modeste, ouvrier, prolétaire, un peu, mes ancêtres sont des paysans et des prolos principalement. Et c'est vrai que moi j'ai un attachement très fort à l'endroit d'où je viens. C'est vrai que j'aime beaucoup ma campagne, la France que j'ai connue dans les années 90. Moi je suis né en 87, donc j'ai grandi toute l'enfance que j'ai passée dans les années 90. C'est vrai que c'était très beau parce qu'il y avait encore une vie de village, tu vois, avec des brocantes, voilà, une vraie vie de village encore un petit peu, village de mes grands-parents, etc. Donc j'ai été baigné là-dedans et en fait, très vite, il me manquait une chose, c'est-à-dire que j'étais très heureux là où j'étais, parce que c'est très beau, il y avait la forêt, il y avait tout ça, et dans les années 90, la France, c'était encore quelque chose, voilà, qui voulait. Il y avait un lien, il y avait un truc un peu de communauté comme ça, mais il me manquait quand même quelque chose qui m'appelait vers l'universel et vers l'ailleurs, en fait, vers l'aventure. Et du coup, ce qui m'a amené à ça, c'est principalement la fiction, et principalement la fiction. De cinéma, mais en fait j'ai eu une mère qui était bercée par des récits, on va dire, de tout ordre, qu'ils soient mythologiques, héroïques, etc. Et même un peu fantasmagoriques, je dirais, ou des trucs un peu, voilà, un peu, les vieilles légendes, les vieux mythes, tout ça, tu sais, les légendes du Loch Ness, les trucs comme ça, les légendes un peu. J'ai eu une mère qui était très curieuse, et qui lisait beaucoup, qui m'a transmis cette espèce d'amour de me poser des questions et puis de voir un petit peu par moi-même les choses et de découvrir la vie et le monde par moi-même. Donc en fait, donc je vais pas mentir, c'est énormément passé par le cinéma. Moi j'étais, elle avait beaucoup de livres, donc moi j'ai regardé beaucoup de livres et beaucoup de musique, mais aussi beaucoup de films, et c'était l'époque des VHS, donc on avait des cartons entiers de VHS qu'on enregistrait, la plupart c'était des vieilles Kodak là. Ah, on a tous eu ça dans nos générations à nous. Et on n'achetait pas beaucoup, en fait. En fait, on avait le magnétoscope et mon père regardait des films aussi, mais moi, ma mère surtout, elle. Et puis, très curieuse, très athlétique, en fait, dans ses choix, il y avait de tout, quoi. Il y avait vraiment plein de trucs différents. Moi, si tu veux, la première fiction qui m'a donné envie d'aller vers l'aventure, c'était l'Odyssée d'Ulysse. Le premier livre. Après, j'ai lu en film, etc. Il y a plein de versions. Et en fait, ça a été un petit peu le premier livre que j'ai eu au niveau fictionnel qui m'a donné envie de voyager à travers le monde, de découvrir comme ça des choses et de découvrir aussi moi-même. Il y a aussi ce côté moral aussi dans les mythes. À la fois, tu découvres le monde, mais tu te découvres aussi toi et tu as une espèce de sagesse aussi en toi qui te permet en découvrant le monde et en t'y confrontant. Et après, très vite, la fiction est arrivée qui a découlé de ces mythes-là. Bah, moi, pour te dire, c'était Star Wars. Hein. Luke Skywalker was just a farm boy, until he received a mysterious message from a princess. Help me, Obi-Wan Kenobi. She's beautiful. Star Wars, starring Mark Hamill. I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you. It's a little short for a stormtrooper. Harrison Ford. Why conversation anyway? Whoa, we're gonna get somebody! I think we took a wrong turn. Carrie Fisher. Alec Guinness. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. 20th Century Fox presents the most extraordinary motion picture of all time, Star Wars. Here's where the fun begins. No legendary adventure of the past could be as exciting as this romance of the future. Here they come. May the Force be with you in Star Wars. Star Wars, c'était le premier mythe fondateur universel moderne cinématographique, quoi, qui m'a bercé et qui m'a donné envie de voyager, de voir en fait ce que. Moi, j'habitais en face d'une montagne, donc tu avais vraiment le petit lotissement où j'habitais, puis tu avais une énorme montagne, et en fait, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne, quoi. Et en fait, donc il y avait un imaginaire très fourni. Que j'avais à travers les films, à travers mes rêves, à travers tout ça. Et c'est vrai que bon, Star Wars, quand tu tombes gamin devant, ça, c'est une galaxie entière avec un univers entier qui te permet de. Puis moi, ce petit fermier là de Luke Skywalker qui voyait les deux soleils et qui voulait voir la galaxie, moi ça me parlait parce que je venais d'un milieu comme ça en fait. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas forcément un milieu
c'est pas défavorisé, c'est pas pauvre, tout ça. Non, non, on a bien vécu, mais on était modeste. Mais si tu veux, c'est. Mais tu n'as pas beaucoup de. Ta vie n'a pas beaucoup de sens au niveau du débouché. Parce qu'en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà, quoi. C'est-à-dire que je suis bien ici, mais il me manque un truc. Il faut que j'aille voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça, c'est vrai que là où je viens, ça ne me proposait pas forcément une multitude de, tu vois, de choix de vie, tout ça. Donc voilà, moi, ça m'avait fait rêver. Donc c'était Star Wars, principalement, qui m'a donné envie d'aller vers l'aventure avec Ulysse, comme je t'ai dit avant. Et puis Terminator aussi. Terminator de James Cameron, le tout premier. Ça m'a fait autre chose. Je l'ai vu très jeune, trop jeune. Ma mère me l'a montré vers. C'est indécent de le dire. Je devais avoir 4-5 ans. Tu vois, c'était vraiment. Et je crois que j'avais maté que la première partie. Et ma mère m'avait dit, ouais, bah tu. Après la pub, parce qu'il y avait des pubs, tu sais, à l'époque, ça passait à la télé. Après la pub, tu vas te coucher parce que t'as école demain. Tu vois, j'étais en primaire. Je dois avoir 5 ans. Et là, j'étais confronté à autre chose. C'est-à-dire que là, c'était une espèce de. Il y avait toujours cette notion d'héroïsme qui me touche, cette espèce de valeur qui me touche. C'est-à-dire. Il y avait un côté christique aussi, parce que je suis de culture catholique, enfin chrétienne. Et donc, j'étais aussi béni là-dedans. Mais il y avait ça aussi dans Terminator, le fait de combattre une espèce de golem comme ça et de avec le espèce d'être complètement déshumanisé, parce que c'est pratiquement un film d'horreur le premier, et avec une ambiance comme ça de fin du monde, film apocalyptique dans un sens. Si tu veux rajouter par rapport à symbolisme christianisme, le héros du premier Terminator, j'ai un trou sur son nom, serait un petit peu en fait le messager pour apporter la bonne parole et pour aider l'espèce humaine. Kyle Reese, voilà, ce serait un petit peu ça. C'est ça. Puis en plus, t'avais John Connor, c'était Jésus-Christ, il y avait tout ça, puis le fait qu'il, voilà, il y a toute l'histoire, les gens le connaissent, mais donc, je trouvais que tous ces films-là des années 80-90 avaient encore un espèce de lien avec les mythes fondateurs qui m'ont toujours fasciné, en fait. Mais il n'y a pas que ça, il y avait aussi les contes de fées, tu vois, comme racontait ma grand-mère au coin du feu, on allait dormir, il y avait plein de trucs, le chaboté, n'importe quoi, il y a plein de contes, de mythes comme ça. Moi j'ai été un peu bercé dans ça, dans ces histoires très très classiques, qui peuvent paraître aujourd'hui archétypales, ce que tu veux, critiquables, mais en fait, ça. Mais non, parce qu'en fait, si tu les prends vraiment pour ce qu'elles sont, c'est des leçons de vie, mais qui ne te. Au contraire, moi en fait, ça a été des moteurs pour moi, ça a été des choses qui m'ont. Malgré le fait que ça soit des archétypes, des récits comme ça qui paraissent figés, non, en fait, ça te propose un espèce d'universel. Et justement, moi, ça m'a donné envie d'aller voir l'autre, d'aller le rencontrer, d'aller voir le monde. Voilà, c'est un peu ce qui me manquait. C'est-à-dire que j'étais très, très, très ancré dans ma souche primordiale de terre, de vie, là d'où je venais, mon village. C'était très beau, mais il me manquait cette espèce d'universel, de découvrir le monde, découvrir l'Asie, la Chine, etc., dont je parlerai après. Mais. C'est passé principalement par le cinéma, en fait. Voilà. Mon premier contact avec le cinéma asiatique, en fait, c'est arrivé à un moment où j'étais toujours, justement, je baignais toujours dans cette espèce de culture, de soif de cinéma et de découverte du monde. Et je me rappelle, c'était en 2000, et j'avais découvert la VHS Drunken Master. Well, I'll show you what a tiger's about, huh? Hey, yay! Yeah. Are you ready to meet your death yet? So, Freddy Wong, just because your father is Master Wong gives you no damn right to cause any trouble here. I will have to ask your great uncle to come. Who's that? So high. Oh! Ah! Oh! Listen, your father's paid me well to train you, and I'm going to do it. I'm a master now. Whoever insulted you pays with his life. Hiya! I told you I got style. Ooh. 王姬不愧为洪拳一代。
j'étais rentré par effraction chez mon oncle et ma tante qui étaient partis en vacances, et ils nous avaient laissé les clés, mais ils avaient laissé la porte du... À l'époque, la campagne, c'était, je sais pas comment c'est maintenant, les gens laissaient la maison ouverte, il n'y avait pas de soucis, donc on rentrait par la fenêtre. Et en fait, mon oncle était chauffeur de bus, et il avait tout un tas de VHS, parce qu'il passait des cassettes dans son bus, tu sais, quand il y avait des grands trajets comme ça. Donc j'avais plein de films aussi comme ça d'ailleurs dans le bus de mon oncle, et donc il avait une collection de cassettes vidéo, mais vraiment des trucs de redneck, quoi, vraiment des trucs de... La plupart c'était des Steven Seagal, des Jean-Claude Van Damme, des Stallone, mais vraiment de bourrin, mais bon nous c'était normal parce qu'on venait de cette culture là, on était aussi dans cette culture de bourrin fini, un peu redneck sur les bords de la France profonde un peu, donc on avait tout ça. Il n'y avait pas que ça, et d'ailleurs il n'y avait pas que des trucs de blanc, il y avait aussi des trucs asiatiques, il y avait plein de trucs, et on découvrait donc Jackie Chan dans Drunken Master 2, et on voit ça, on fait bon, ouais, on connaît un petit peu, on n'est pas trop de cette culture là, on ne connaît pas trop machin, mais on est curieux quand même, puis on connaît un petit peu Dragon Ball, on connaît un peu les... On a grandi aussi avec ça, j'ai pas dit, je suis aussi arrivé par le cinéma asiatique, par les films, les séries d'animation japonaises en fait. Le Club Dorothée, tout bonnement. Les Sentai, tous ces trucs-là, qui sont encore dans un rapport de héroïque, mythologique, tout ça. Il y a encore des traces aussi de ça en France. Ouais, effectivement. Bien sûr. Et donc du coup, voilà, ça c'est peut-être le petit truc qui nous a donné envie, en parallèle aux films qu'on regardait américains ou français, machin, de nous intéresser un petit peu à l'Asie. Donc on a pris cette VHS, on l'a mis, et puis là, ça a été le coup de foudre, parce que en fait on a vu un truc qu'on n'avait pas vu ailleurs. C'est-à-dire que là tu découvrais tout un monde que tu ne connaissais pas. Ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ton pays. Et pourtant, l'universalité du cinéma, si on peut dire, te fait rentrer dans le truc. Parce que c'est archétypal qu'il y a un héros, qu'il y a un méchant, qu'il y a un truc, que c'est universel et que tout le monde peut voir ce genre de... peut s'identifier à ce genre de truc. Donc là, en fait, ça a été un petit peu un choc multisensoriel, parce qu'on a découvert à la fois le cinéma d'Hongo, tu découvres à la fois Jackie Chan, qui est quand même un monstre, hein, c'est quand même le truc, Jackie Chan, c'est la personne qui m'a peut-être le plus influencé dans ma vie, hein, peut-être en termes d'acteur. Il y avait 2-3 acteurs comme ça, t'avais Jackie Chan, Schwarzenegger, Belmondo, voilà, il y avait peut-être ces trois-là qui m'ont le plus influencé dans ce que j'ai voulu faire après. Mais on découvre donc au cinéma de Hong Kong, Jackie Chan, le Kung Fu, la manière de filmer du Kung Fu, donc un réalisateur comme Yuen Woo-ping, c'était Yuen Woo-ping qui avait fait... Drunken Master à l'époque, le réalisateur, on découvrait aussi cette manière de filmer des combats avec de manière chorégraphique, un peu comme une comédie musicale, avec un rythme, avec tout ça. Ça, c'est encore autre chose. Donc, tu vois, tu rajoutes des couches comme ça. Et puis la culture chinoise, parce que c'était un film en costume, ancré dans une histoire chinoise d'un héros chinois qui s'appelait Hong Fei-Hung. Là, c'était un Hong Fei-Hung jeune, qui est une figure comme ça de la héroïque chinoise. Donc, de semaine en semaine, en fait, on se met à non seulement avoir plein de films de Jackie Chan, ça c'est le truc le plus simple que tu peux faire. C'est-à-dire quand t'es un peu geek comme nous on l'était, on matait tous les films, on voulait voir tous les films de Jackie Chan qu'on pouvait trouver. Puis à l'époque c'était des VHS, donc tu pouvais les prendre un peu comme tu pouvais les trouver où tu pouvais. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. Avec ça, en fait, s'ajoutait toujours, comme je t'ai dit, cette espèce de besoin d'aller au-delà de la montagne, c'est-à-dire au-delà de l'œuvre, pas simplement passivement regarder des films. Mais aussi, c'est là qu'on a commencé à faire du kung-fu avec mon frère. Donc on a commencé à pratiquer le kung-fu. Au début, on pratiquait dans le jardin, on essayait d'imiter un peu ce qui se faisait dans le film, on s'attachait avec des cordes, on s'entraînait comme on peut, on savait pas. Puis après, je suis allé dans le club de... Ils avaient ouvert un club de kung-fu, pas loin de mon village, enfin le village d'à côté, donc on a commencé à s'entraîner là-bas. Et puis à côté de ça, de la calligraphie, qui était en rapport avec la... Parce que pareil, on avait une écriture aussi dans les génériques, tout ça, qui était... On ne connaissait pas, donc on commençait à faire de la calligraphie, à s'intéresser à la cuisine, à en faire, à manger. Alors c'était plutôt des Vietnamiens, mais chez moi il n'y avait pas, parce que je viens d'un petit bled, donc on allait au restaurant vietnamien. Et donc voilà, culture asiatique, kung-fu, calligraphie, tout ça, et puis avec cette envie un jour évidemment de partir là-bas, d'essayer de faire des trucs là-bas, et puis ne serait-ce que de voyager là-bas, même tout simplement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est le
On va dire que les la première décennie d'amour de cinéma m'a donné envie d'aller voir le monde. Et là, ça m'a vraiment donné un coup de pied pour me... Ça a été le deuxième coup de pied, c'est-à-dire que ça a été le deuxième truc qui m'a dit, vas-y, là, le monde, tu vas le voir. Grâce à ça, ça va. Parce qu'il y a la notion physique, d'entraînement, d'aller découvrir une culture qui n'est pas la tienne. Donc tu te pousses un peu à aller vers autre chose. Donc voilà, sans ça, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma de Hong Kong globalement. Et puis après, voilà, bah, j'ai découvert... Moi, je suis beaucoup passé par la période film de kung-fu chorégraphie d'abord, donc c'est-à-dire Jackie Chan, Yuen Woo-ping, mais après très vite Sammo Hung, du coup, Yuen Biao, Corey Yuen, etc. Enfin, en fait, tous les gens qui viennent du monde des arts martiaux et de l'opéra de Pékin et qui se sont mis à faire des films, que ce soit en tant que producteur, en tant que réalisateur ou en tant que chorégraphe, mais en tout cas qui se sont mis à créer. Donc moi, je suis rentré là-dedans. Et puis du coup, comme Yuen Biao avait fait Sous les galets de la montagne magique. Je veux que tu sois mon élève. Je suis toujours un peu plus loin. Tu ne peux pas changer ce mauvais habitude. Que mon frère était un fan absolu du NBO, ben du coup, on a découvert Tsui Hark comme ça, en fait, par les acteurs. Moi, je suis beaucoup découvert le cinéma par le biais des acteurs. C'est les acteurs qui m'ont fait découvrir des réalisateurs, etc. Avant, en fait, les réalisateurs, j'y pensais pas vraiment. Mais voilà, et puis après, au fur et à mesure, tu découvres, il y a les HK vidéo. HK qui est là et qui propose à cette même époque, parce que c'était aussi toute la vague asiatique qui arrivait à cette époque-là, début 2000, chez moi, à la campagne. On ne pouvait pas vraiment voir ces films et c'était arrivé au bon moment, parce qu'en fait, tu avais la possibilité de les commander par catalogue et tout ça, donc ça arrivait. Pas que les films de Hong Kong, d'ailleurs, tu avais aussi toute la vague des films coréens, films thaïlandais, films japonais encore, les japonais faisaient encore des films. Donc tu avais toute cette vague asiatique, des éditeurs qui arrivaient, qui faisaient leurs DVD, les Asian Star, et donc, voilà. Ça, le DVD commençait à arriver. Donc voilà, moi je me suis. Pendant à peu près 10 ans, ça a été à peu près 10 ans, voilà, de 2000 à 2010,
où ça a été beaucoup de kung-fu, beaucoup de pratiques, beaucoup de fascination pour la culture chinoise, et puis de la découverte du cinéma de Hong Kong, principalement, parce que malgré tout ça, ce qui reste au niveau du cinéma, voilà, c'est peut-être mon cinéma préféré, c'est le cinéma de Hong Kong, parce qu'il a réussi de manière un peu miraculeuse, en fait, à synthétiser un peu tout ce que j'aimais, à la fois la culture chinoise que je commençais à découvrir, et puis ma culture à moi aussi, parce que c'était une ancienne colonie britannique avec des richesses culturelles un peu différentes. Donc du coup, ça a été une espèce de miracle dans le cinéma de Hong Kong pendant une cinquantaine d'années, mais qui était dû au contexte politique, historique, etc. Et du coup, ça nous a, comme c'était des espèces de liens, de lieux un petit peu ambigu comme ça, entre deux mondes, comme une espèce de pont suspendu entre deux mondes, entre mon monde à moi, qui était le monde occidental, et le monde asiatique, bah, du coup, bah, ça fait un passage, en fait. Ça fait une espèce de lien entre les deux. Et je trouve que c'était ça, où il était le plus fascinant, c'est quand il faisait ce lien. Aujourd'hui, il ne le fait plus, puisqu'il, de fait, il est retourné dans le giron de la mère patrie, donc on est dans autre chose. Mais à l'époque, il transmettait vraiment ce truc de lien entre ces deux cinémas, entre ces deux cultures, que moi, j'aurais pas pu découvrir peut-être avec la culture japonaise, par exemple, ou la culture coréenne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce lien intrinsèquement lié, voilà, avec ma culture à moi et puis la culture asiatique, parce que les pays n'étaient pas construits de cette manière-là. Alors que là, on était sur un territoire très spécifique, en fait, qui pouvait s'exprimer encore en tant que Chine, mais sans être vraiment la Chine, et en même temps, qui pouvait nous parler à nous, de par le rythme des films, de par la manière dont ils étaient filmés, les références que les réalisateurs, même hongkongais, avaient, les références occidentales, les manières de filmer, les manières d'écrire, etc. Ben, nous, ça nous a permis de rentrer là-dedans. Et c'est pour ça que pour moi, le cinéma de Hong Kong restera toujours le plus important, malgré le fait que je sois français, que j'adore le cinéma français de la Belle Époque. Comme j'ai dit, j'ai cité Belmondo et Jean Marais, parce que c'était mes deux stars d'action quand j'étais tout petit, mais aussi Louis de Funès, etc. Et puis le cinéma américain est extrêmement important aussi, comme tout ce que j'ai dit, par rapport à Stallone, par rapport à Terminator, par rapport à Star Wars, par rapport à tout ça, les Américains, on est forcément confronté à ça quand on est un petit Français comme moi des années 90, c'est évident. Mais malgré tout, c'est quand même le cinéma de Hong Kong qui reste le plus important pour toutes les raisons que je t'ai dit. Alors moi, j'ai décidé de partir en Chine dans un premier temps. Pour te dire la vérité, c'était d'abord comme si... Bon, comme je t'ai dit, j'ai découvert la Chine par le biais du cinéma de Hong Kong. Parce que quoi qu'on en dise, on découvre la Chine par ce biais-là, malgré tout. Parce que c'est quand même quelque chose qui est chinois, quoi qu'on en dise. Et c'était une époque où c'était les années 2010, là, du coup. C'était vraiment la décennie où j'ai commencé à voyager. En fait, les années 2000, c'était mon voyage à travers le cinéma de Hong Kong, à travers le kung-fu et tout ça. Et les années 2010, ça a été mes années voyage. Ça a été les années où là, je suis passé vraiment. Là, j'ai dépassé la montagne. Là, vraiment, j'y allais, je prenais mon baluchon et j'ai voyagé pendant pratiquement 10 ans. Beaucoup en Chine. Mais là, et avant d'aller en Chine, d'ailleurs, j'avais fait un premier voyage grâce à des amis. J'étais parti en Thaïlande, au Cambodge et au Laos. C'était le premier contact que j'avais eu avec l'Asie. Un voyage d'un mois. Ça a été un dépucelage complet parce que j'avais jamais quitté l'Europe et j'ai pas du tout l'habitude de voyager pour le coup. J'étais pas très solide physiquement à cette époque-là, je me souviens, je faisais beaucoup trop la fête et j'avais une vie bien différente de ma vie de maintenant ou que j'avais après, mais j'étais très très fêtard et tout ça et j'avais pas la condition physique pour partir en Thaïlande pendant un mois. Mais après la Thaïlande, du coup là je l'ai eu par contre, c'était très très physique et là je l'ai eu. Mais enfin bref, la Chine, ouais, c'était une envie déjà. En fait, je trouvais ça intéressant de pas aller à Hong Kong directement et d'aller vraiment directement dans le dur. C'est-à-dire d'aller dans une Chine rustique, dans le nord, et faire un truc physique, c'est-à-dire le kung-fu. Moi, j'y suis allé spécialement pendant un an faire du kung-fu dans, pas le temple Shaolin, mais une école Shaolin, où il y avait des moines qui nous enseignaient. Très très dur. 8 heures par jour. Toujours les mêmes choses à manger, les coups de bâton dans les fesses, un truc un peu spartiate, mais en même temps c'était aussi l'idée à l'époque. Je voulais, parce que je voyais que je commençais à dépérir un peu, j'avais ce côté un petit peu
voilà, il fallait que je, en fait, il fallait que je m'endurcisse autant mentalement que physiquement, et c'était un petit peu comme un, voilà, le mot que je cherchais, c'est le rite initiatique, le passage à l'âge adulte. J'avais besoin d'un truc qui symbolise mon passage. Et comme je suis pas très très armé et que je suis pas très très, j'aurais pu faire autre chose, hein, de plus dur. J'aurais pu aller en Thaïlande faire de la boxe thaï ou c'est ça. Mais là, je me suis dit bon, moi j'ai été touché par la Chine et par le kung-fu via le cinéma de Hong Kong, donc, très logiquement. Bah c'est là que je devais aller. Et moi j'avais un pote qui était là-bas depuis 4 ans dans cette école justement de kung-fu et qui faisait ça depuis 4 ans. Lui est une brute. Il voulait rester des années là-bas et en faire après son métier. Mais moi j'y allais vraiment pour l'expérience. Voilà, du coup, j'y suis allé pour m'endurcir et puis pour faire cette espèce de rite de passage. Et c'était très très difficile, mais à la fois hyper intéressant, parce que j'ai découvert la Chine, et c'était très important que je la découvre de cette manière-là, par la rusticité. C'est-à-dire le côté brut, le côté dur, le côté campagnard, la rudesse. Voilà, j'étais dans une espèce d'école. La première école où j'étais, c'était construit sur un ancien cimetière, un peu à la Poltergeist là, tu vois, avec une espèce très sympathique. Faut savoir qu'en Chine, il y a plein d'endroits comme ça à la campagne où les tombes sont un peu n'importe où, parce que par rapport à la guerre, par rapport à la pauvreté, enfin, il y a plein de régions qui sont un petit peu. Donc je suis arrivé en Chine dans un milieu très rustique, le moment où. Et puis vraiment, ce qui est intéressant aussi, c'est de. Quand tu regardes des films et quand tu regardes quand t'es happé par un univers comme ça, en fait, t'as tendance à idéaliser un petit peu. En fait, quand tu te confrontes à la réalité, c'est assez, ça te bouleverse un petit peu, quoi. Ça bouleverse tes certitudes. Mais en même temps, c'est ce qui fait partie aussi du sel du voyage, c'est-à-dire que tu y vas aussi pour ça, tu y vas pour être dépaysé, tu y vas pour rencontrer, pour découvrir le monde. Et voilà, il y avait toute cette rudesse-là, voilà, le fait de me confronter à un peuple qui est un peu à l'ancienne, un peu dur, un peu rustre, un peu voilà, qui surtout là où j'étais à la campagne, c'est-à-dire que j'étais pas avec les Chinois des villes, j'étais vraiment dans une terre qui était très 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 voilà, aride et très rustique et très dure. Et du coup voilà, donc l'entraînement était dur et la vie là-bas était dure. En fait, je suis rentré par le, je sais pas comment expliquer, voilà, je suis rentré en Chine par ce biais là. Je voulais pas rentrer par le biais urbain, un peu moderne, un peu. Non, ça a été un peu après, même si c'était quand même dur, parce que c'était quand même autre chose, mais c'était moins dur. Mais là, ouais, il y avait vraiment ce côté rustique. Et puis la découverte d'un peuple, parce que je pense qu'on découvre un peuple aussi dans ses fondements profonds, quand on va dans des endroits perdus, profonds, là où les gens ont cultivé des espèces de traditions qui sont un petit peu anciennes et où ils ont pas vraiment changé, bougé, donc c'est très intéressant moi j'ai trouvé ça plus intéressant que d'aller en ville, dans une ville directement, dans une grosse ville, d'aller à Pékin, je suis allé à Pékin aussi pendant cette année-là, j'étais un peu à Shanghai, j'étais un peu partout, mais le fait que ça se passe à la campagne et que ça soit dur et qu'il y ait des entraînements comme ça, on s'entraînait 5 jours par semaine, on avait nos week-ends quand même, mais couvre-feu le soir, on pouvait pas sortir, le week-end on pouvait pas sortir non plus. Enfin, on pouvait sortir le week-end, mais il fallait rentrer à l'école à 22h, 23h, sinon tu te faisais punir. Alors, il y en avait qui arrivaient, hein, des fois d'être en retard au niveau du truc, alors t'as des mecs qui escaladaient le mur, il y avait plein de trucs. Après, l'année que j'ai passée en Chine, ça peut faire presque 4 heures d'émission, tellement j'ai d'anecdotes de trucs complètement fous. On s'est fait courser par des chiens, il y a mille et un trucs. Hein, j'ai failli mourir je sais pas combien de fois en Chine, j'ai escaladé des montagnes à main nue, quand j'étais en vacances, enfin, il y a plein d'histoires de dingue, des bagarres, des trucs de barde, enfin, il y a plein de trucs, mais ça, c'est des trucs que je raconte pas trop, parce que voilà, ça fait partie de l'aventure, mais voilà, il y a tellement de trucs que tu peux pas, mais en gros, voilà, t'es confronté à la Chine profonde, et c'est intéressant, je trouve. Moi, je te dis que c'était dur. Moi, c'était de la roupie de Sansonnet par rapport à ce qu'eux, ils vivaient. Ils s'entraînaient, je crois qu'eux, c'était... ils s'entraînaient de 5h du matin jusqu'à 22h, 3h, pratiquement sans arrêt. Ouais. Et non, là, c'était complètement autre chose. Là, moi, j'y suis allé pas vraiment pour avoir un niveau exceptionnel. C'était pour me... rite initiatique. Et puis tout ce que je t'ai dit par rapport à la dureté de tout ça, puis vivre l'aventure pour de vrai, vraiment toucher le truc, pas simplement regarder les films.
voilà, je continue à regarder des films, je continue toujours à en voir, mais vivre des trucs aussi. Ouais, effectivement. Tu voulais vivre ton propre film. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais été totalement. Ça m'a jamais vraiment suffi, si tu veux, de vivre toutes ces aventures héroïques et tout ça par procuration, uniquement à travers mon écran. J'aime faire ça, mais j'aime aussi provoquer pour aller vivre des trucs pour de vrai. Tu vois, les vivre aussi pour de vrai, c'est un truc que j'aurais pas simplement pu accepter de simplement cette compensation, parce que c'est un peu une compensation au cinéma, c'est un peu un truc que tu peux pas forcément vivre toi-même, et du coup tu le regardes pour vivre plein de vies, mais c'est un peu comme les gens qui voulaient devenir acteurs aussi, moi j'ai voulu aussi de devenir acteur aussi un petit peu par rapport à ça, tu peux vivre plein de vies, mais finalement, non en fait, parce que rien ne vaut vraiment la vie, quoi. C'est-à-dire que finalement, quand tu te fais mal, quand tu souffres, puis les moments de joie et les moments de peine en fait sont tellement intenses que il vaut mieux les vivre en vrai, ça vaut mieux le coup, plutôt que de toujours les regarder à travers un écran. Enfin, c'est ce que je comprends. Moi, je dirais que c'est plus sécurisant. Personnellement, c'est pour ça que... Bien sûr. Alors ensuite, donc, j'ai voulu partir à Hong Kong à un moment donné pour m'entraîner avec des gens qui ont fait le cinéma d'arts martiaux. Tout simplement parce qu'en fait, c'était effectivement mon premier but. C'est-à-dire que je suis d'abord rentré par la Chine profonde, et la deuxième étape de mon voyage, ça a été de rentrer ce que j'appellerais l'autre Chine, c'est-à-dire Hong Kong, mais à cette époque-là je voyageais aussi un petit peu à Macao, à Taïwan, etc. Et moi j'avoue que voilà, mon but, c'est que je me suis dit à partir d'un certain moment, ce que je veux vraiment faire, c'est partir à Hong Kong, c'est m'entraîner avec des cascadeurs, des chorégraphes, des gens qui ont fait un peu ce cinéma, et éventuellement faire de la figuration et proposer mon petit scénario, parce que j'avais écrit un scénario il y a plusieurs années que je ne pouvais faire qu'à Hong Kong. Que ce soit tu peux l'adapter en série, tu peux le faire en long métrage, en court métrage, tu peux le faire de plein de manières. Donc moi, j'ai encore une fois, le scénario, la figuration, c'est toujours un peu annexe. C'est comme l'époque où moi j'avais fait du théâtre et j'avais fait tout ça, c'était pas le plus important. Moi, je voulais vivre certaines émotions, mais c'était pas forcément le fait de réussir ou de passer des castings. Ça m'a jamais vraiment intéressé, ou de devenir acteur. Ça m'a jamais vraiment intéressé, fondamentalement. C'était plus l'aventure humaine qui m'intéressait. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été beaucoup plus comblé de ce point de vue-là, dans ma vie en général, par rapport à l'aventure humaine. Mais oui, en fait, je me suis dit, je pars à Hong Kong. J'étais déjà allé un petit peu avant par rapport à mon ancien travail, mais ça on en parlera peut-être après, mais en tout cas j'y étais déjà allé, mais là j'avais vraiment envie d'y aller tout seul et de vivre mon aventure tout seul. Donc moi je me suis dit deux choses, je me suis dit, comme je suis quelqu'un qui veut aller toucher ce rêve avec les mains vraiment, et voir un petit peu de mes propres yeux là où tous les endroits que j'ai un petit peu fantasmés et idéalisés, j'ai fait deux choses principalement quand je suis retourné à Hong Kong. C'est que je suis déjà retourné sur tous les lieux mythiques du cinéma de Hong Kong, à savoir la grande cascade de Police Story où Jackie Chan saute à la fin, voilà, c'est une cascade que j'ai toujours rêvé de faire d'ailleurs. C'est encore possible de le faire, enfin, c'est un peu plus compliqué maintenant parce que j'y suis retourné pour le coup là-bas. Et donc j'ai vu un petit peu, tu vois, tu regardes un peu comment il est... Tu vois, tu revis les sensations, tu te mets un peu la musique du film dans les oreilles si t'as envie. Moi, je l'ai fait un petit peu aussi. Et là, je vois le truc, je dis, ah, il a sauté comme ça, ouais, c'est quand même beau et tout. Mais tu touches un peu la barre où il était, tu vois, et tu vois l'endroit, tu vois l'escalator, tu vois le truc et tout, c'est génial. Et j'ai fait plein de trucs comme ça. En fait, j'ai voulu revivre plein de moments que j'avais vécu dans les films, mais à travers mon voyage, c'est-à-dire de visiter les lieux, quoi. Donc plein de lieux mythiques, l'endroit où ils ont tourné la scène du début d'Opération Dragon, par exemple, Bruce Lee. Ouais, au début, quand il fait une espèce de leçon, là, tu dois savoir à peu près ce que c'est, t'as dû le voir, cette scène-là. Et donc, en fait, voilà, il y a cette scène-là. Puis en fait, t'apprends que cette scène a été tournée non loin de l'usine de la fin de Dragon Forever, de Samong, par exemple. L'usine est juste en bas. Et en fait, le truc, c'est assez dingue, tu vois. Et pareil, il y a plein de scènes qui ont été tournées aussi à Wan Chai, qui est sur l'île de Hong Kong.
les scènes, par exemple, tournées dans des cimetières. Alors, t'as la scène de Time Warrior avec Kung Biao, puis un peu plus haut, t'as la scène de Black Mask avec Jet Li et Lo Ching Wan, Miss Baston. Puis un peu à côté, t'as la scène où Bruce Lee, justement, dit adieu à sa mère au début d'Opération Dragon. Il est devant une tombe, et en fait, t'as Frank, c'est le cimetière musulman, d'ailleurs, qui est à côté du cimetière chrétien, qui sont juste à côté, donc ils ont tourné ces scènes à côté. Et puis, juste en face de ce cimetière, bah, en fait, c'est une scène de First Mission avec Jackie Chan et Sammo Hung. C'est un film je trouve très joli où c'est plus un drame d'ailleurs. Jackie Chan doit s'occuper de son frère handicapé, qui est interprété par Sammo Hung. Ils font des prestations assez surprenantes d'ailleurs dans ce film, qui moi me touche beaucoup à chaque fois. Et donc voilà la scène où ils sont tous les deux, ils tiennent par la main en sortant de l'hôpital et en descendant les marches, bah, c'est juste à côté. Et en fait, voilà, tu commences à recomposer la ville en fonction des lieux des films que tu as vus. Et j'ai visité toute la ville comme ça. Déjà, je me suis fait un plaisir de découvrir plein de trucs. Alors, j'ai survolé voilà, toute la colline comme ça. Puis, tu tombes sur des scènes de Police Story. Et puis, après, tu tombes sur plein de trucs différents. Voilà. Puis, j'ai découvert la ville comme ça. Même pareil, quand j'ai atterri à Hong Kong la première fois, je mettais la musique de Tiger Cage 2 et de L'Héritier de la Violence. Parce que c'est des musiques qui me parlent beaucoup et qui m'ont beaucoup marqué. Donc, j'atterris avec cette musique dans les oreilles, etc. Donc ça, c'était la partie vraiment perso que je voulais faire avec un peu comme si j'allais en pèlerinage un peu. Tu vois, un truc religieux là-dedans. Tu vois, vraiment le mec qui va en pèlerinage dans son. Mais je pense que pèlerinage cinématographique. C'est ça. Mais je pense que c'est la même chose. Moi, j'ai des potes par exemple qui sont dans la musique et qui sont allés à Londres, ouais. Spécifiques, qui sont dans, tu vois, ou des mecs que je connais à moi qui sont fans de rap et qui sont allés à New York. Là où ils ont fait tous les... Tu vois, il y a des espèces d'endroits mythiques comme ça où certaines cultures artistiques ont été mythifiées et puis du coup, bah, tu les vois, tu les vis. Donc ça, c'était très cool. Et en parallèle, pour faire un truc un peu plus quand même dur, j'ai voulu m'entraîner avec, donc, comme je t'ai dit, des gens qui ont fait un peu le cinéma de Kung Fu et le cinéma de chorégraphie d'arts martiaux dans les années 80-90. Moi, à l'époque, j'avais deux idoles de mon enfance, deux idoles féminines qui faisaient partie d'un genre qui s'appelait le Girl with Gun. Girl with Gun, c'est un sous-genre du polar hongkongais, mais du polar kung-fu plutôt. Parce que souvent, on utilisait quand même évidemment des flingues, mais aussi beaucoup de kung-fu dans ces films-là. Donc, le sens du devoir, etc. Voilà, tous ces films-là avec des actrices, des héroïnes en fait. Qui est une vieille tradition chinoise aussi. Les Chinois ont toujours eu le modèle du héros féminin, hein, qui est aussi une forme d'héroïsme, hein, auquel tu t'identifies d'une autre manière, mais tu es quand même fasciné, tu vois, par ça. Et donc, il y avait deux figures emblématiques que j'aimais beaucoup. Alors évidemment, comme tout le monde, j'aimais Michelle Yeoh et Cynthia Kane, évidemment, Cynthia Rostrock aussi, Wun Li, Sibeliu, etc. Qui faisaient... Mais en fait, toutes ces actrices-là, à part Cynthia Rostrock, qui était une vraie pratiquante d'arts martiaux, ces actrices-là, en fait, étaient issues du monde de la danse, ou des gym, et en fait, elles ont appris les arts martiaux un peu sur le tard. Donc, c'est-à-dire, elles ont appris en fonction des films, et ce qui est très pratique, parce qu'en fait, quand tu viens du milieu de la danse, c'est presque mieux que de venir du milieu des arts martiaux quand tu fais un film d'arts martiaux, parce qu'en fait, tu as le sens du tempo, du timing, du découpage, c'est-à-dire que tu peux refaire une... C'est presque comme une danse, hein, une chorégraphie à Hong Kong, en termes de construction, donc en fait, c'est presque des fois plus pratique d'être une danseuse et de venir du monde de la danse, parce que quand tu viens du monde des arts martiaux purs, tu as une autre manière de faire, c'est-à-dire que tu es plus sur la condition physique, le fait de tenir un round, de pratiquer des tao, des katas, c'est un autre travail en fait, donc des fois c'est un peu compliqué, alors que pour une artiste, pour une danseuse, c'est encore autre chose. Par contre, il y avait deux autres actrices aussi que j'aimais beaucoup, qui s'appelaient Yukari Oshima, était aussi une actrice japonaise qui avait commencé notamment d'ailleurs dans Bioman et qui était une vraie pratiquante d'arts martiaux qui avait appris les arts martiaux avec le grand Sonny Chiba de la Japan Action Club et qui avait eu comme co-disciple Hiroyuki Sanada aussi, hein, et elle vient de cette école là et elle a décidé voilà très tôt de partir à Hong Kong et de faire des films d'action là-bas. Elle a eu une carrière d'action là-bas très très importante et elle a ouvert son école de chorégraphie d'arts martiaux, etc., mais au Japon. Donc au début, j'avais pensé partir, j'avais contacté l'école de Yukari Oshima pour partir au Japon. Donc moi, je me suis d'abord dit, je vais d'abord partir au Japon, mais bon, le Japon, c'était trop loin, ça faisait pas partie forcément de mes priorités, donc j'ai abandonné. Et en plus, je crois que les cours n'étaient pas donnés en anglais, c'était un peu compliqué et tout. Et là, je me suis rabattu sur donc,
voilà, une autre star de Girl with Gun qui m'avait influencé quand j'étais petit, qui s'appelle Sharon Young Panpan. Et Sharon Young Panpan, c'est assez intéressant parce que bon, bah, voilà, c'était à peu près voilà, ma préférée des héroïnes féminines de cette époque, avec Yukari Oshima, il y avait Cynthia Rothrock, il y avait Michelle Yeoh, etc. Ça, elle était moins connue dans ce domaine-là, mais en fait c'était quelqu'un de très intéressant parce qu'elle avait, elle avait commencé à la Shaw Brothers et elle venait en fait d'une école d'opéra de Pékin, ce qui était aussi très rare parce que toutes les actrices comme ça féminines ne faisaient pas forcément toutes, enfin en termes de premier plan, ne venaient pas forcément de l'opéra de Pékin. Donc là elle avait étudié l'opéra de Pékin. Comme Jackie Chan, Sammo Hung et tout ça, sauf qu'elle venait pas de l'école de Jim Wen, elle venait de l'autre école. Bon, j'ai oublié le nom, Fon Fakwa, je crois, je sais plus, les spécialistes me rediront, mais elle était condisciple avec des gens comme Lam Chi Ling, voilà, Mr. Vampire, elle avait des condisciples comme Chin Carlock, Chin Suo, qui sont des grands noms voilà, du cinéma de Kung Fu. Et puis John Lone aussi, pour les plus internationaux d'entre nous, l'acteur de le méchant de le film avec Mickey Rourke, l'année du dragon. Voilà, le méchant de l'année du dragon, il jouait aussi le méchant dans Rush Hour 2, je crois, à cet acteur-là, John Lund, que je crois qu'il a quand même une carrière internationale, je crois, cet acteur-là. Et donc, ils viennent de la même école, et elle a commencé donc à la Shaw Brothers, elle a fait des kung-fu indépendants un petit peu dans la vague des Jackie Chan des années fin 70, début 80, elle a fait du Girl with Gun, et ensuite, il y a un film que vous pouvez trouver chez nous, chez Spectrum, qui s'appelle Angel Terminator. Le tout premier, c'est l'héroïne d'Angel Terminator. Alors, d'ailleurs, c'est pratiquement ce qu'elle a fait de mieux en termes de... Parce que les autres après sont un peu plus... sont pas vraiment dans le même niveau, mais le premier Angel Terminator, c'est l'héroïne voilà, qui est dans le film. Alors elle partage l'affiche avec beaucoup d'actrices, mais moi je l'ai vraiment découvert là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, voilà, donc je vais revenir un peu au truc de Spectrum, mais voilà, vous pouvez l'avoir là-dedans. Et après, donc, elle a monté sa boîte de production. Elle a commencé à tourner notamment en Chine continentale. Elle a tout de suite, dès les années 2000, juste après la rétrocession, elle a vraiment commencé à bosser en Chine et à ouvrir ses studios. Et en parallèle, elle a une toute petite école de chorégraphie d'arts martiaux et de cascade à Hong Kong. Moi, bah, je me suis dit, j'y suis allé, j'ai contacté d'abord sa fille, parce que c'est sa fille qui s'occupait un petit peu du lien entre les gens. Et c'était une école en fait où tu payais des séances pour reprendre des cours. Donc moi, j'y suis allé, j'ai pris tant de séances, c'était très 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 cher d'ailleurs. C'est des séances c'est un peu les stars ou les acteurs un peu de la TVB qui vont s'entraîner un peu là-bas, ou les mecs qui ont un peu de pognon quand même qui vont. Moi, j'avais un peu d'argent à cette époque-là par rapport à mon ancien travail. Ouais, pour expliquer, donner du contexte, c'est une chaîne de télé. C'est la chaîne de. Alors la TVB, c'est la chaîne, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, ou il n'y en a pas, ou c'est peut-être l'une des deux chaînes, je ne sais plus exactement, mais c'est la grande chaîne importante du cinéma de Hong Kong, qui est, je crois, qui a racheté après la Shaw Brothers. Enfin, la Shaw Brothers, ça a été racheté par la TVB, je crois. Et c'est une chaîne très importante, où j'ai eu la chance de travailler après. Et Sharon, d'ailleurs, vient aussi, a fait beaucoup de choses à la TVB, elle faisait beaucoup d'œuvres caritatives. TVB, elle faisait des cascades pour récolter des fonds, pour des associations, des choses comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, le patron de la TVB aujourd'hui est Eric Tseng, que j'ai eu la chance de travailler, de rencontrer, qui est très 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 cool, en tout cas que j'ai croisé simplement, mais qui était un mec voilà, qui était un peu une légende et que j'ai eu la chance de croiser un petit peu quand je bossais là-bas. Et donc justement, donc, tu as cherché à t'inscrire à l'école. C'est ça. Donc j'ai contacté donc sa fille Jessica, qui est devenue une amie. Donc elle est née à Los Angeles à une époque où Sharon était partie à Los Angeles prendre une pause dans sa carrière. Il y a un moment où elle était en pause. Et donc Jessica est née à Los Angeles, donc elle parle très bien anglais. Donc on a pu communiquer tout de suite. Sharon ne parle pas du tout anglais. Moi, j'ai jamais vraiment communiqué avec elle directement. Il y a toujours eu sa fille qui nous traduisait nos conversations, etc. Et elle n'avait pas un anglais, extraordinaire. Et moi-même, j'ai pas un anglais incroyable. Donc je parle anglais très très couramment et très basiquement, mais voilà, Jessica parlait anglais, donc elle m'a... Puis moi j'y suis allé un peu naïvement, mais d'abord pour m'entraîner, apprendre vraiment ce que c'était, que, voilà, alors t'apprenais la chorégraphie de kung-fu, d'arts martiaux, et aussi les cascades, les chutes. Et moi ce qui m'intéressait le plus, c'était évidemment bah, les chorégraphies, mais surtout les chutes. Moi je voulais surtout apprendre à tomber, à bien tomber. D'ailleurs c'est la première chose que
Alors, je suis arrivé là-bas, j'ai mon premier prof que j'ai eu qui s'appelle Korn, qui est un mec aussi que vous pouvez voir dans plein de films hongkongais actuellement, qui fait des petits rôles et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu lui mets ? Parce que c'est vraiment un petit à la carte, c'est-à-dire que tu payes ta leçon, mais en même temps, il te demande un peu ce que tu veux apprendre. Même si, quand même, il doit t'apprendre des bases, parce que tu dois quand même acquérir certaines bases. Comme j'avais déjà des bases d'arts martiaux, du coup, ça m'a aidé pour apprendre plein de mouvements. Mais quand même, il t'apprenait quand même les rudiments de certains trucs, au niveau du rythme, par exemple, crier à des moments où tu vois, le mec t'envoie tel coup, il t'envoie tu vois, ça va dépendre, ça va être des coups différents à chaque fois. Il va t'envoyer un signal au moment où il va t'envoyer le truc. T'as plein de petits trucs basiques comme ça qu'il faut quand même que t'apprennes. Mais il te disait en parallèle, qu'est-ce que tu veux apprendre ? Et moi, je lui disais, bon, moi, je veux apprendre à tomber. Mon rêve, c'est de passer à travers des vitres, de m'exploser sur des vitres. Moi, j'étais fasciné par ça, le documentaire My Stunt de Jackie Chan. C'est peut-être probablement ce documentaire-là qui m'a donné envie d'aller à Hong Kong vraiment et de devenir cascadeur et de faire ça. J'étais fasciné, je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de scènes où il passait plein de... Il parle du fait de l'importance de la vitre et tout ça, et il a voulu utiliser du vrai verre, et c'est pour ça que beaucoup ont eu des coupures. Ouais, il y a eu. Alors voilà, ça c'était aussi le côté fascinant de l'époque où ces films étaient faits, c'est que c'était à la fois fascinant et très dangereux. Moi j'aurais adoré travailler dans cette période-là, parce que j'aime bien le risque et j'aime bien me foutre un peu. Il y a un côté un peu maso, tu vois, j'aime bien me foutre, mettre ma vie un peu en danger, il y a un côté un peu aventurier, j'aime bien ça. Donc moi, la cascade de Police Story, par exemple, pour te dire, j'aurais adoré la faire. Celle où il glisse, j'ai le vertige, hein, faut le savoir, je suis quelqu'un qui a le vertige. Comme lui, je crois que quand il l'a fait, il a essayé de puiser une espèce d'énergie en lui qui pouvait se dépasser. De ce dépassement, il y a un truc que ça me fascine plutôt pas mal. Mais c'est vrai que le fait de passer à travers des vitres, de tomber, machin, moi, c'est les premiers trucs que j'ai appris, c'était ça. Et j'ai adoré qu'il m'apprenne ça, la manière de tomber. Alors, tu tombes. Il y a une manière de tomber, en fait. Par exemple, tu vois, des fois, tu les vois tomber carrément sur le. Sauter comme ça. Moi, j'étais fasciné par un truc. Bon, là, je peux pas te le faire, mais tu sautes comme ça et tu t'explose, et tu sais, y a, notamment dans Dragon Forever, il y a des scènes absolument incroyables où le mec, il n'a pas de vitre pour l'amortir ni un matelas, il s'explose carrément sur du dur, et après il glisse comme ça, et j'étais complètement fasciné par ça, et je me suis dit, il y a un truc, en fait il dit, non, c'est le mec, il doit avoir quelques protections, mais globalement, il y a une manière d'apprendre pour tomber, c'est-à-dire que déjà, il faut que tu rentres la tête, que tu serres ta langue, parce que si jamais tu rentres pas ta tête, tu peux potentiellement te rompre ici, te faire mal ici. Si tu mets pas ta langue au-dessus du palais, tu peux potentiellement te couper la langue, parce que quand tu vas tomber, il y a des trucs comme ça. Tu vois, il y a des plein de petites bêtises. Alors moi, je me suis fait mal plein de fois. Moi, je suis une spécialiste pour me faire mal. Je me suis surtout fait mal au dos, parce qu'en fait, il y a une manière de sauter et une manière de te réceptionner, et il faut que tu tombes systématiquement sur cette partie-là. Il ne faut pas que tu tombes sur cette partie-là, parce que là, ça peut potentiellement te casser quelque chose. Donc, il faut que tu tombes en fait sur le côté entre les trapèzes et les omoplates. Voilà, c'est ça, plutôt par là. Donc, il y a toute une manière. Moi, j'ai jamais pu expérimenter le fait de m'exposer sur une vitre pour de vrai. Ben, j'aurais bien aimé. Je n'ai fait que l'apprendre et j'ai appris plein de trucs. Et c'était pareil, c'était très passionnant en termes d'apprendre les chorégraphies aussi, les chorégraphies d'arts martiaux. Comme j'avais donc un bagage martial, un bagage artistique, parce que j'avais aussi pris des cours de théâtre, de comédie, tout ça, machin, donc j'avais ça, donc il y avait un espèce de... T'apprenais tout ça en même temps, c'est-à-dire que t'avais une intention de jeu, en même temps tu faisais une cascade, ça c'était vraiment dans la partie apprentissage, t'apprenais une intention de jeu, la peur, la surprise, le machin, après t'avais une explosion, et puis après t'allais affronter un mec pour faire 2-3 échanges, etc. Et puis voilà. Et ce qui est intéressant aussi au niveau de l'apprentissage des chorégraphies, c'est que Hong Kong a beaucoup changé par rapport à ça. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à l'époque, ils avaient tendance à chorégraphier une scène au fur et à mesure. C'est-à-dire que le mec arrivait sur le plateau, il savait... Déjà, il n'y avait pas de scénario, hein, en fait, tu dois savoir, très peu de scénario. Donc en fait, t'arrivais le jour, le matin t'arrivais, tu ne savais pas ce que t'allais faire. Le mec te donnait le scénario, tu devais l'apprendre vite fait. C'était redoublé, donc tu pouvais te permettre des trucs. Mais le scénario, et puis apparemment, c'était pareil pour la chorégraphie. C'est-à-dire que tu devais l'apprendre une heure avant de tourner. C'est-à-dire que tu apprenais des morceaux, donc tac, tac, des échanges, des trucs, bing, boum, boum, ok, tu tombes, tu fais ça, tac, tac, tac.
Ok, donc et voilà, et comme en fait il procédait un petit peu par une espèce de tournée montée, c'est-à-dire que en fait la base de la chorégraphie à Hong Kong, c'est vraiment la mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a un échange qui va être fait avec tel plan, et puis après, pour sublimer l'échange, le rythme, etc., tu vas changer d'axe, tu vas te mettre en plongée ou en contre-plongée, en fonction du mouvement que tu vas faire, en fonction d'un coup de pied, en fonction... Et ça, c'est tout leur génie, c'est qu'ils arrivent à mettre en scène. C'est pas simplement quelqu'un qui pose la caméra et battez-vous. C'est vraiment réfléchi comme ça. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils réfléchissent à ça de manière presque instinctive. C'est-à-dire qu'ils ont tellement eu l'habitude de faire des films de Kung Fu, ils en ont tellement fait à l'appel en termes de chorégraphie, de réalisation et tout ça, c'est qu'en fait, presque ils arrivent sur le plateau et ils ont pratiquement... Et voilà, moi, mon prof, il inventait, le prof avec qui je bossais, enfin, j'ai eu différents profs, j'ai eu plein de profs différents. Mais il inventait la chorégraphie au fur et à mesure de mon entraînement. C'est-à-dire qu'on arrivait, on s'entraînait, tac... donc là, on va commencer par ce mouvement là, après, et puis je devais l'apprendre au fur et à mesure. Et en fait, ça se faisait comme ça, ça se fait par petits bouts, puis à la fin, tu la masterises, et à la fin, ce qui est bien, ce qui est mieux, c'est que tu la maîtrises de A à Z. C'est-à-dire que je crois qu'à l'époque, tu n'avais pas besoin de la maîtriser de A à Z parce qu'ils filmaient petit bout par petit bout. Tu apprenais un truc par cœur, tu dis, ah, fais ça, fais tel mouvement, tac, ok, on va changer d'axe, fais ça, tac, 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 tac. Donc c'était plus calé. Mais là, comme c'était des entraînements, et qu'en plus aujourd'hui, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le cinéma, c'est un peu la mode ça dans le cinéma d'action aujourd'hui, c'est de faire du plan séquence, c'est-à-dire de faire beaucoup de scènes de combat en plan séquence. Je vois ça dans le cinéma indien, je vois ça dans les John Wick, je vois ça dans plein de choses. C'est totalement différent du cinéma de Hong Kong. C'est vraiment aux antipodes parce que là, t'as vraiment le côté un peu triche, un peu mytho dans le cinéma de Hong Kong, mais à la fois sublime, c'est-à-dire qu'il y a la mise en scène et parfois ils peuvent te faire croire que le mec sait se battre alors qu'en changeant l'axe de caméra, ils te le font croire et tout. Là maintenant, tu dois vraiment masteriser toute la choré, les mecs tournent autour, mais tout se fait en plan séquence. Donc là, il y avait un petit peu cette philosophie-là, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à filmer différemment, à filmer en plan séquence, c'est vraiment la mode. Et comme c'était des jeunes qui m'apprenaient, il était très influencé par ce qui se faisait maintenant, d'ailleurs paradoxalement aux États-Unis, alors que c'est un peu eux qui ont influencé le monde entier maintenant, mais il ira plus du côté des États-Unis, bizarrement, ou du côté du reste de l'Asie. Et du coup, j'apprenais mes chorégraphies, voilà, t'apprenais tes chorégraphies par cœur, et une fois que tu les masterisais bien, bah là, ils te filmaient, etc. Mais c'est assez intéressant quand même. Au tout début, ce qui s'est passé, c'est que, pour reprendre un petit peu dépasser un peu le côté apprentissage des chorégraphies et des cascades et tout ça. Après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé avec mon DVD Spectrum en Gen Terminator. Et en fait, voilà, Jessica m'a dit, ma mère est là, si tu veux la rencontrer. Donc moi, j'étais, c'est un rêve un peu, rencontrer une de mes idoles d'enfance, une star de cinéma de Hong Kong, etc. Donc moi, j'étais comme un dingue. Et du coup, voilà, je découvre toute l'équipe. Je rencontre Ken, qui est un de ses réalisateurs, qui fera des films avec elle et tout. Je parle très bien anglais, je rencontre plein de mes potes là-bas et en fait je rentre un peu dans une famille de cinéma, du cinéma de Hong Kong. Donc c'est assez cool et tu vois déjà rien que ça, j'étais déjà... Voilà. Donc elle me signe le Blu-ray, elle me fait la signature, on discute un peu, on papote. Et en fait je me fais un peu adopter par l'équipe, quoi. Je deviens un peu la mascotte et puis en plus eux ils sont toujours un peu fascinés du fait que déjà je connaisse Charles Batman, que je connaisse un peu ce cinéma, que je connaisse même très bien, et ça leur fait plaisir parce que pour eux c'était un petit peu le truc mort et enterré depuis 20 ans. Ça intéresse que les Chinois de la nouvelle génération de Chine continentale, mais plus trop l'Occident aujourd'hui, alors qu'il y a plein encore de gens qui connaissent, hein. On connaît encore bien, mais eux ils sont très surpris par ça, mais du coup ça leur fait plaisir parce qu'ils voient qu'il y a de la reconnaissance et tout. Donc moi je me fais un petit peu adopter. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant pratiquement un an, alors pas un an d'une traite, hein, je veux dire, parce que moi j'avais mon boulot en parallèle de spectacle, de machin, donc je faisais des espèces d'allers-retours entre Hong Kong, la France, les pays étrangers, mais pratiquement, je suis resté de manière effective pratiquement un an. Et pendant un an, je continuais à m'entraîner. Alors après les cours, au début je payais, puis après c'était gratuit, ça veut dire qu'ils me filaient des cours. Après j'ai appris un peu le métier du câble, du câblage, c'est intéressant cet aspect-là, donc il y avait tout ça, avec le câblage, etc. Et oui, en fait j'ai commencé un petit peu à bosser avec eux, mais en fait bosser avec eux là-bas, comment expliquer ? En fait je passais ma vie là-bas, c'est-à-dire que je passais ma vie dans le gymnase. T'avais le gymnase, c'était un tout petit truc, hein. C'était vraiment un tout petit truc...
T'avais le petit gymnase, le bureau de la boîte de prod, parce qu'ils produisaient un petit peu aussi des films, et puis le bureau de la... Voilà, le bureau, quoi, l'endroit où l'administratif, c'était un bordel, t'avais des papiers partout, enfin, c'était n'importe quoi. C'était... Et puis t'avais le gymnase, et puis t'avais des matelas, et puis t'avais des douches derrière, et puis à la fin des entraînements, voilà, les stars qui venaient s'entraîner, ou les acteurs, vous prenez une douche, machin. Mais c'était très rustique, c'était un quartier industriel, un peu rustique et tout. Et moi, j'ai commencé, en fait, tout bonnement, à me retrouver là-bas, alors par passion, et je pouvais venir quand je voulais, c'est-à-dire que j'avais les clés, ils me disaient, on va te filer les clés, j'avais les clés, c'est-à-dire que j'avais les clés du gymnase, ils me les filaient, et j'avais les, et je pouvais dormir là-bas, et comme j'allais beaucoup, ils savaient que je venais beaucoup à Hong Kong, ils me disaient, mais te prends pas un hôtel, t'emmerde pas, tu te mets un matelas, il y a des douches, tu restes là le soir, en plus, comme il n'y a personne le soir, c'était tout filmé, c'était tout, il y avait des caméras, tout ça, machin, mais comme ça, tu peux faire le gardien, et puis tu peux, voilà, donc moi, en fait, ça a d'abord commencé un petit peu humainement, comme ça. C'était devenu très proche d'eux. Très proche. Et en plus, c'était des gens, les Hongkongais, c'est un peu particulier parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est pas l'esprit français, tu vois. C'est pas l'esprit apéro, on prend le temps, machine, tac-tac, demain on se voit. Non, non, c'est toujours occupé, toujours des trucs à faire, machin. Donc quand t'arrives à les avoir, c'est très rare. Et ces moments-là, ils sont un peu précieux, donc tu. Voilà, mais j'ai commencé à les. Après, en fait, moi, mon boulot, il a. Et ça, c'est un peu comme ça à Hong Kong. Là, j'ai pas pu faire de film, malheureusement, mais. Même quand tu fais des films, quand tu tournes des séries, en fait, tout commence un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu rencontres une famille, tu rencontres des gens, ça se fait un peu par hasard, et après, en fait, tu acceptes de faire plein de besognes, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à... Moi, comme ils me logeaient, ben, j'ai commencé à passer le balai, à faire le ménage, à garder un peu le bureau. Après, j'ai commencé à... Comme ils voyaient que j'étais là tout souvent, ben, je commençais à être assistant, tu vois. Donc, en fait, quand il y avait un mec qui venait s'entraîner de la TVB, c'est souvent des mecs de la TVB, d'ailleurs, qui venaient s'entraîner. Et il me disait, aide-nous si quelqu'un a besoin de toi pour faire un échange, une cascade. Donc là, c'était super parce que je pouvais participer. Alors, il y avait des jours où je faisais rien, je faisais juste que filmer parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Et puis des jours où il me disait, tiens, Max, t'es là, viens. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe en fait là-bas. C'est-à-dire que t'es là, ils ont besoin de toi ce jour-là. C'est très pragmatique en fait de travailler avec, même avec les Chinois en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a un côté très pragmatique. T'es là, tu peux aider, on va t'utiliser. Tu t'es pas là, tant pis. Et en fait, que tu montres que tu as une certaine motivation, que tu es fait pour le travail. Il y a une plus grosse culture dans le travail. Moi, en fait, ils ont vu que j'étais passionné et ils ont vu que j'étais désintéressé. C'est-à-dire qu'en fait, surtout, ils ont vu que moi, je gagnais très bien ma vie à l'époque. Je m'en cache pas. Je gagnais pas des. J'étais pas milliard, mais je gagnais bien ma vie. Moi, j'avais mes tournées, je faisais mes spectacles, mes trucs, j'étais très bien. Donc en fait, moi, c'était vraiment par passion. Et à un moment donné, ils m'avaient proposé de bosser pour un truc à la TVB. Justement, il m'avait dit, c'est vrai que t'es un mec super, quoi, t'es passionné, tu fais partie de la famille, on t'aime bien. Des fois, j'allais manger chez Sharon, machin, enfin, on se posait des bouffes même dans des restos, des machins et tout. Et ils m'ont dit, viens, on a besoin de bras pour faire de la cistana. Alors, c'est des trucs un peu de. Voilà, c'est des trucs de c'est des trucs d'ouvrier, hein, mais tu transportes des câbles, tu tires des câbles, c'est un... Mais moi, si tu veux, j'étais heureux parce que je baignais dans ce monde-là, quoi. Je rencontrais, tu croisais des mecs qui avaient bossé avec Yuen Wu-Ping, t'avais un mec qui avait connu Jackie Chan, on me disait que peut-être Sammo ou Jim Carlock allaient passer à la salle. Alors malheureusement, c'est jamais arrivé, j'étais très triste parce que Sammo passait beaucoup, parce que Sammo avait fait un film avec Sharon aussi, il avait fait un film qui s'appelle Kung Fu Chef, réalisé par mon pote Ken, d'ailleurs, justement. Et un autre ami à moi qui s'appelle Michael aussi, qui est un ami que j'ai rencontré à la TVB, qui est un beau frère vraiment de Hong Kong. Et où j'en étais. Et oui, et du coup, ils m'ont dit, si tu veux, on a un truc à la TVB, c'est un truc d'œuvre caritative, machin, dans la grande tradition de la TVB, on va récolter des fonds, et c'est quatre Miss qui vont faire une performance, mais qu'on doit entraîner parce qu'elles vont faire des performances avec des cordes. Donc là, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, j'étais là à soulever des matelas, Tu vois, en fait, c'est typiquement du travail d'assistana, tu vois, des trucs où ils ont besoin de toi, tu t'entraînes un peu avec les miss, Alors moi, je fais pas le principal des trucs, parce que moi, je suis le petit dernier, tu vois, j'arrive, puis j'apprends, puis je suis là, puis je suis content d'être là, d'être avec tous ces gens, puis voilà. Je fais principalement de l'assistana, de la sécurité, quoi, tu sécurises un peu les gens qui font des trucs, tu les aides quand elles ont besoin, etc. Et là, voilà, là, j'ai travaillé pour la TVB. À ce moment-là, et en fait, je me souviens que là où ils étaient un peu... En fait, au début, elle m'avait dit, finalement, la TVB, ça se fera pas parce que
on n'a pas besoin, enfin ils ont pas besoin d'aussi d'autant de monde, et en plus ils ont pas vraiment le budget, donc machin. Et moi j'ai dit non, mais puis, moi je ne veux pas être payé, je m'en fous d'être payé, j'avais déjà mon salaire, je m'en fous, je fais ça par c'est du bénévolat en fait, c'est vraiment du bénévolat. Donc là ils ont, si tu veux, pour eux ils n'arrivaient pas à comprendre que je ne demande pas un cachet pour ce genre d'activité. Ça les dépassait. Surtout à Hong Kong où tout est un peu drivé par le pognon, tout ça, c'était très très très. Mais en même temps, ils se sont dit bon, bah lui, il veut vraiment toucher le truc, il veut vraiment mettre les mains dans le cambouis puis y aller. Mais moi, j'étais juste heureux, si tu veux, d'être avec tous ces gens-là, de parler de ce cinéma-là, de la chorégraphie. Moi, il m'apprenait, il me disait mais alors, du coup, Sammo, il est comment dans la vie, Jackie Chan, il est comment, machin, il m'expliquait. Qu'est-ce que mon pote Ken qui m'expliquait les rudiments de la chorégraphie, tu vois, quand tu fais une chorégraphie, tu dois être comme dans une bulle et tu dois savoir exactement où le point arrive, où est-ce que toi tu dois le mettre, etc. Parce que je m'étais pris plein, c'était un moment où j'avais pris des pêches dans la gueule pendant un entraînement et il m'avait dit, ça c'est parce que tu débutes, mais en fait quand tu t'es vraiment, les Samo et tout ça, quand ils masterisent tellement le combat qu'ils savent exactement où se positionner, où tomber, à quel moment bloquer, à quel moment mettre le coup. En fait, ils ont tout est calculé dans leur comme dans une espèce de bulle de protection en fait qui est invisible, mais où ils savent exactement où il faut faire les mouvements, etc. Et ça, ils disent, ça s'acquiert avec l'expérience, etc., etc. Mais c'était, voilà, il y a plein de trucs fascinants comme ça. Et voilà, et donc la TVB, je me suis retrouvé quelques fois à bosser pour la TVB. J'ai croisé déjà, mais c'était souvent des trucs de spectacles, d'émissions, de concerts, de chansons, trucs comme ça, et où on arrivait un petit peu avec ce genre de, voilà, on préparait les performeurs, quoi. On préparait les performeurs physiquement qui devaient faire un peu des cascades un peu dangereuses ou des trucs un peu risqués, et on les préparait un peu comme ça. Et puis j'ai croisé plein d'acteurs. Voilà, j'ai croisé Rick Tseng, qui est le patron de la TVB. Rick Tseng, pour les gens qui connaissent, c'est le méchant de l'Infernal Affair, par exemple, mais aussi le gentil dans les Lucky Stars. Voilà. Deux opposés. Ouais, hein. Très grand acteur. Moi, quand je l'ai rencontré, en fait, pour te dire l'anecdote, quand je l'ai croisé à la TVB, bon, moi, j'y croyais pas. Il nous portait la boue, parce que tu sais, t'as cette grande tradition à chaque fois quand tu travailles là-bas, de découper le cochon. Et le découper et, tu sais, le donner il y a les offrandes aux dieux, machin, et puis après tu manges le cochon. Il y a toujours cette tradition avec les fruits autour, les trucs. Ça, c'est une tradition qu'ils ont là-bas pour les tournages, pour les émissions, pour les trucs. Donc lui, il découpait le truc, il nous amène il était dans l'ascenseur avec nous, il nous amène le cochon avec nous, machin, il le met dans le truc, donc c'était déjà dingue. Et en fait, moi, c'est quand je suis retourné en France bien plus tard que j'ai appris que c'était le patron de la TVB. Je ne le savais pas à ce moment-là, tellement le mec était simple, il était habillé en survêt la journée, il était tranquille et tout. Alors après, le soir, il était en costard et tout, mais je le croisais dans les couloirs, je bossais un peu, voilà, c'était super. Et puis, plein de gens peut-être qui ne parleront pas à plein de fans, mais j'ai croisé Karen Mok, par exemple, qui était l'actrice de Black Mask, par exemple, qui était là pour faire une performance qui est chanteuse. Myriam Young, qui est une actrice plus récente du coup. Mais par exemple, pour les gens qui la connaissent, c'était dans le film Nouvelle Cuisine de Fruit Chan. C'était un espèce de semi-film d'horreur, un peu catégorie 3, voilà, mais un peu plus récent. J'ai pas tous les noms en tête des gens que j'ai croisés, mais voilà, plein de gens que peut-être ça dira rien à des gens, mais moi je les connais, voilà, des Nat Chan, un mec qui a beaucoup tourné chez les Yuga avec Wong Jing, par exemple, voilà, qui était aussi très présent à la TVB. Voilà, c'est toutes ces journées-là. Quelques acteurs de Johnny. Il y a un acteur de chez qui jouait beaucoup avec Johnny To, un jeune acteur aussi, qui s'appelait Edmond Wong, je crois, qui jouait dans Heroic Duo, qui jouait toujours un peu. Mais on le voit plus trop. Et là, je l'ai vu, il était un peu plus âgé, mais c'était un petit jeune à l'époque, dans les années 2000, dans tous ces polars, un peu de genoux, un peu tout ça. Et pareil, que j'avais croisé à la cantine de la TVB, voilà, pareil, là, tu croises plein de gens, donc c'est assez cool. Donc moi, rien que pour ça, j'étais content, j'ai acquis une petite expérience, et moi, de mon point de vue, j'avais réussi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais parti pour visiter Hong Kong, prendre des vacances, m'entraîner un peu, puis je me retrouve à faire ça. Vive le rêve. Et vive le rêve. Et puis, bah, malheureusement, je sais pas si tu veux déjà arriver à ça, mais le Covid est arrivé à un moment et tout s'est arrêté. Parce qu'il y a vraiment ce côté familial quand tu arrives. Rien qu'en travaillant à la TVB, tu le remarques. C'est-à-dire que tu croises des gens, beaucoup d'équipes.
là c'était l'équipe de Sharon avec qui j'étais, mais on bossait avec Didi Q qui était peut-être un des plus grands collaborateurs de Mind Mapping et qui a doublé Jet Li, doubleur cascade de Jet Li pendant pratiquement tous ses films. Lui, il bossait avec nous pour cette journée-là. Et puis, il y avait un pote à moi qui s'appelle MG, qui m'a appris beaucoup de choses aussi, notamment avec les câbles, mais plein d'autres trucs, qui m'a donné tous les cours gratuitement, tout fait gratuitement. Qui, lui, par exemple, bosse chez Sharon, mais bosse beaucoup dans l'équipe de Shinkarlock. Shinkarlock, c'est le héros de Opération Scorpion, l'acteur principal. C'est Shinkarlock qui a commencé avec Samu, et puis maintenant c'est vraiment le dernier parmi ceux qui veulent vraiment rester à Hong Kong et faire des trucs à Hong Kong et dénicher des talents de Hong Kong. Mais pour te dire, en fait, c'est que toutes ces familles-là, quand je suis arrivé sur le plateau de la TVB, tu sentais que Eric Tseng connaissait Sharon depuis la nuit des temps, qu'il connaît Nat Chan, qu'il connaît Reddy. En fait, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment, comme ce qu'il peut y avoir en France par exemple, il n'y a pas cette espèce de division entre bon, t'es un mec qui fait du film de Kung Fu. Donc tu restes dans ton coin. T'es un mec qui fait des films d'auteur, tu restes dans ton coin. T'es un mec qui fait des polars, tu restes dans... Non, tout se mélange. D'ailleurs, tout s'est un peu toujours mélangé à Hong Kong. C'est-à-dire tous les genres se sont un peu mélangés, les gens ont commencé à travailler, tu vois. Tu vois Kirk Wong qui fait un film avec Jackie Chan, qui fait un film avec... qui a une chorégraphie d'un tel, t'as John Woo qui a un Shih Tzu, tout le monde est un petit peu... Voilà, parce que c'est un petit territoire, une petite industrie, tout le monde se connaît plus ou moins, tout le monde s'est plus ou moins rencontré. Tout le monde se... Ouais, et ça, je l'ai vraiment ressenti. Donc il y a vraiment, comme tu dis, cet attachement quand toi, tu y es de l'extérieur, que tu vois, parce que tu le vois, parce que c'est une petite industrie où tu retrouves un peu toujours les mêmes têtes, les mêmes acteurs, les mêmes trucs. Donc il y a ce côté familial, je vois ce que tu veux dire par rapport à ça. Mais quand tu y es, il y a aussi ce truc-là. Et bien que ce soit des groupes un peu différents, bah, tout le monde, ça se télescope, ça se rencontre, ça va travailler chez un tel ou un tel, parce que c'est aussi très dur là-bas d'avoir du boulot et de durer. Dans n'importe quel domaine, c'est difficile. C'est vraiment le... Là, ouais, ça, j'en ai pas parlé, mais ça, vraiment, le star system et les trucs comme ça, et le fait de... Dans chaque catégorie de métier là-bas, c'est hyper compliqué de durer, quoi. C'est pour ça que j'en veux même pas aujourd'hui, on dit que le cinéma de Hong Kong est mort, ouais, mais ça fait... En vrai, quand tu comprends vraiment le truc, tu te dis, ouais, mais ça aurait dû mourir depuis... C'est un miracle qu'ils aient tenu aussi longtemps et qu'ils aient encore l'énergie pour faire des trucs, parce que c'est très difficile comme monde, quoi. C'est un monde très difficile. Et il n'y a pas beaucoup de gens, quoi. Donc c'est petit et c'est un peu plus resserré. Bon, aujourd'hui, il y a la Chine qui a changé la donne. C'est-à-dire que tous ces gens que je te cite là, à part Shinkarlock, hein, qui vraiment lui veut rester à Hong Kong, mais même s'il va quand même en Chine par moment tourner, mais il veut vraiment, il tient vraiment à rester à Hong Kong. Mais la 95%, les acteurs, par exemple, Chin Suo, son frère, Chin Suo, c'est le frère de Shinkarlock, lui, il fait plein de films de vampires là-bas, parce qu'il a été connu pour ça. T'as plein d'acteurs, voilà, qui vont faire des films. Sharon, elle a typiquement choisi de être dans la production de films en Chine continentale. Tu gagnes beaucoup plus d'argent, t'as beaucoup plus de temps, t'as beaucoup plus... Et surtout, il y a un truc qui manque aussi à Hong Kong, c'est que, en fait, tu n'as plus d'acteurs de la trempe des acteurs de ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de mecs. Alors, il y a encore un peu mes potes, voilà, puis je pense qu'il y en a d'autres, parce que moi, c'était l'équipe où moi j'appartenais, mais il y en a forcément d'autres, mais voilà, il y a encore des gens comme ça, qui sont un peu durs physiquement, qui veulent un petit peu faire des cascades, qui veulent un peu faire des trucs un peu durs à l'ancienne et tout, mais t'en as plus trop. Donc, du coup, ils le font déjà depuis les années 90, ils ont tendance à aller un petit peu vers la Chine continentale pour aller chercher des nouveaux talents martiaux ou des gens un petit peu plus chanteurs aussi. Rudes, etc. Oui, oui, bien sûr. C'est beaucoup de maintenant dans la chanson et pour continuer leur carrière, ils font dans le cinéma. Ouais. Mais ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit Thierry, le gars qui fait Jackie Chan France, en fait, en gros. Et c'est ça qu'il me disait, c'est que la réalité, c'est que le box-office hongkongais, ça a l'air d'être des gros chiffres comme ça parce que c'est dit en dollars hongkongais et tout ça, mais en vrai, de vrai, c'est rien du tout. Et en fait, si le cinéma hongkongais ne s'était pas exporté à l'international et n'avait pas connu de succès à l'international, bah, c'était des petits chiffres qui leur permettaient pas de survivre. Mais de toute façon, ça a toujours été une industrie en flux tendu. Hein. Ouais, c'est ça. T'avais un mec qui faisait un film qui sortait du commun, t'avais 110 000 copies derrière, et sous l'histoire fantôme chinoise. Mais d'ailleurs, ils le font toujours en fait. Mais toujours, oui. Enfin, ils le font plus à Hong Kong. Le spécialiste Wang Jing.
Voilà, qui produisait ça, des milliards de mémoires. Alors lui, pour le coup, Wong Jing, moi je trouve qu'il appartient vraiment à cette identité hongkongaise que moi j'aime bien. Tu vois. Vraiment, oui, il fait partie de cette identité-là. Et d'ailleurs, lui, il a réussi, il continue à faire des... Lui, il a compris, il fait toujours des films pour Hong Kong et pour la Chine continentale. Il est sur les deux trucs, il fait encore des films... Il produit des films de Donnie Yen, il fait plein de trucs, hein, vraiment. En fait, il continue à faire ce qu'il faisait dans les années 90, mais du coup, plutôt en Chine continentale, mais par le biais du streaming, du direct-to-video, du DTV. Aujourd'hui, t'as... Moi, je vais m'y intéresser un peu plus, mais il y a plein de trucs achetés, mais il y a plein de trucs qui sont tournés à la chaîne, comme c'était tourné à la chaîne à l'époque à Hong Kong. Ils tournaient des Gang of Youth à la chaîne, ils tournaient des Wuxia à la chaîne, des Kung Fu à la chaîne, des trucs. Là, ils le font, mais en DTV chinois. Et d'ailleurs, il y a plein de vieilles stars sur le has-been ou sur le retour hongkongais qui font tous une nouvelle carrière là-bas, mais tous, sans exception, que ce soit en tant qu'acteur, en tant que producteur, en tant que réalisateur. Et c'est absolument logique, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un territoire, c'est devenu une région. Administrativement parlant, Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine. C'est comme ça qu'elle s'appelle, en fait. C'est comme Macao, c'est comme... Le Tibet, le Xinjiang et d'autres régions ont des... C'est pas tout à fait cette appellation-là, c'est une autre appellation, mais il y a des visas intérieurs, c'est un peu plus... C'est des régions administratives spéciales, mais je crois qu'elles n'ont pas vraiment ce terme-là. Mais en gros, t'as compris, c'est des trucs qui se gèrent pas tout à fait de la même manière en Chine continentale que dans ces régions. C'est une autre... Et surtout, Hong Kong, ils ont conservé plein de choses du passé par rapport à l'administration, par rapport à plein de trucs. Même s'il y a plein de choses qui changent et qui se font resserrer, parce que forcément, bon, ça va dans la logique de... Bien sûr, du pays, c'est logique. Voilà. Et voilà. Mais du coup, oui, ça change du coup l'identité du territoire, c'est évident. Du coup, c'est plus un territoire qui est en flux tendu sur un petit espace, avec des gens qui se connaissent de partout. Aujourd'hui, le marché s'ouvre et puis du coup, tout le monde va travailler un peu là où il peut. Et moi, je les comprends. Hein. C'est-à-dire que je trouve ça courageux que tu restes et que tu aies l'envie de. Rester, ou alors tu peux faire comme un peu comme Louis Go, c'est-à-dire que tu peux lui faire un peu ça. Il va tourner beaucoup de des gros films en Chine et puis il redistribue dans l'industrie, ça c'est pas mal aussi, tu peux le faire. T'as des mecs comme Shin Carlock qui eux restent comme ça. Wong Jing reste aussi en Chine. Oui, mais ils ont tous plus ou moins, mais d'ailleurs même tous les films que tu vois, même les gros films comme Limbo par exemple, moi je trouve qu'il y a un des très très. Voilà, Soi Cheng pour moi c'est un des derniers grands réalisateurs hongkongais. Avec une identité hongkongaise et tout, même un film comme Limbo, en fait, il est coproduit par une boîte chinoise de Chine continentale, mais une boîte chinoise qui distribue des films à Hong Kong. Ils savent que ce film ne sortira pas sur les écrans. Tu peux le trouver peut-être sur les plateformes ou sur les trucs, mais il sortira pas sur les écrans. Je pense pas qu'il soit sorti Limbo. Ça m'étonnerait qu'il soit sorti. Je n'ai pas vraiment l'info, mais je crois pas qu'il soit sorti. Mais en tout cas, c'est des boîtes de prod chinoises, de Chine continentale, qui coproduisent le film et qui le distribuent sur les territoires uniquement Hong Kong, Taïwan, machin, etc. Et nous, c'est vrai qu'il y a eu un moment où le cinéma de Hong Kong s'est suffi à lui-même, puis après, c'était un peu le Hollywood asiatique aussi, c'était un petit peu. Et puis après, ça s'est ouvert à nous, quoi. C'est arrivé chez nous. Mais même quand c'était le Hollywood asiatique, dans les années 80-90, par exemple, c'est dans l'encyclopédie du cinéma chinois que j'ai et tout ça, il y a une interview de Simon Yam qui disait « Oui, effectivement, même si je parais être une grande star et tout ça, j'ai tourné dans des centaines de merdes. » Ah, c'est évident. Parce que, oui, je devais accepter tous les cachets, je devais faire 5 ou 6 films par an. Et puis des fois, t'étais aussi sous contrat, il y a des films que tu pouvais pas refuser. Il faut pas nier aussi, sauf que là, il y avait beaucoup de mafia aussi. Jackie Chan a fait 2 films d'un patron de mafieux pour le remercier. Cool. Action Force 10 et Island of Fire. Il y en a tellement. Des fois, la frontière est toujours un peu ténue entre les boîtes de prod et puis la politique et puis le monde du grand banditisme. Enfin, tout ça, c'est un petit peu, tu vois, c'est évident. Mais en tout cas, voilà, tu peux plus retrouver la même énergie, forcément. En fait, la force vive s'est redéplacée du côté de Pékin et du coup, avec un cinéma aujourd'hui bien spécifique qui met en valeur des choses
très patriotique, etc., avec une uniformisation du pays, avec une avec des règles, des mandarins, une censure qui est très difficile, très stricte, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux faire, mais c'est vraiment passé à la moulinette, tu vois, du truc, il faut vraiment respecter tel ou tel truc. Mais donc effectivement, tu as moins de... En fait, limite, tu as plus d'expression. Par exemple, moi, je constate que le type de film que j'aimais, le film chorégraphique ou le film d'action, peut mieux s'exprimer en DTV qu'au cinéma. En cinéma, il n'y a pratiquement plus personne de tous les gens que je t'ai cités qui font, à part, t'as encore Yuen Woo-ping, t'as encore Stanley Tong, t'as encore Jackie Chan et Donnie Yen, qui sortent, dont les films sortent sur le grand écran en Chine continentale. Mais t'as plein de petits mecs qui font des trucs de chorégraphie, de machin, ça sort plus trop au cinéma, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ce qui marche beaucoup en Chine, c'est les films patriotiques et les wuxiapian aussi. Les wuxiapian, un peu nouvelle vague là qu'ils amènent, un peu parce qu'ils ont, en fait, ils ont simplement envie de porter les valeurs du socialisme chinois, voilà, avec la patriotique, etc. Et en même temps, donner une image aussi du monde de l'histoire chinoise, voilà, à travers les films en costume et les films historiques, etc. Ils sont très attachés aussi à ces deux tendances-là. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espace entre ces deux tendances. Donc forcément, mais c'est un marché complètement différent. Mais aujourd'hui, moi, ça m'intéresse moins. Mais il y a quand même des trucs qui m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire que globalement, ça m'intéresse moins, si tu prends la globalité, mais il y a plein de petites choses vraiment cool, que ce soit sur des films de grand écran ou les TV, ou même des Hongkongais qui font des films en Chine continentale. Je trouve ça toujours intéressant, malgré le fait que le cinéma soit un peu ce qu'il en est. Donc moi, le spectacle vivant, là, on est dans vraiment mon histoire plutôt française, même si j'ai travaillé effectivement avec cette troupe française, j'ai travaillé aussi en Chine et aussi en Asie, et notamment à Hong Kong. J'ai travaillé à Hong Kong, à Macao, à Taïwan, en Chine continentale, etc. Mais oui, en fait, pareil, j'ai un peu fait les choses par hasard, c'est-à-dire que comme toute ma vie est faite de hasard, de rencontres et de choses comme ça, ma vie est une espèce d'aventure humaine où je rencontre des gens et il y a des opportunités qui se créent. J'ai des rêves en tête, mais je n'arrive jamais à les obtenir quand je les veux. C'est toujours quand je lâche un peu la bride, mais je dis bon, c'est pas grave, que les choses se font d'une autre manière. Tu vois, je sais pas si c'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, il y a toujours des opportunités qui s'ouvrent à partir du moment où je lâche un peu narcissiquement mon truc et je me dis bon, c'est pas grave. Je vais pas me focaliser sur mon truc à moi spécifiquement, je vais laisser un peu la porte ouverte, et puis il y a d'autres trucs qui se font. Donc là, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je revenais de Chine. En fait, ça s'est fait entre les spectacles vivants, la troupe, ça s'est fait entre mon retour de Chine continentale pour le Kung-Fu et le cinéma de Hong Kong. Et puis après, quand je suis retourné à Hong Kong. Et ça s'est fait entre ces deux périodes-là. Et ça a duré à peu près 5 ans. Et tout simplement, c'était un pote à moi, un de mes meilleurs amis qui bossait dans cette troupe, un peu comme mon pote qui faisait du kung-fu, un de mes meilleurs potes qui faisait du kung-fu en Chine. Bah là, c'était mon meilleur pote qui depuis des années travaillait pour une troupe de spectacle. Et qui s'appelle donc la compagnie des Kidam. Voilà. Et des gens avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Moi, je viens pas de ce monde-là. Je viens vraiment, comme j'ai dit, du monde du cinéma, le kung-fu, le cinéma de kung-fu, la chorégraphie, etc. Et c'est vrai que le spectacle de rue, moi j'avais fait du théâtre un petit peu avant, d'ailleurs avec cet ami aussi, mon ami qui m'a introduit dans la troupe. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est un peu rencontrés. Donc moi j'avais fait un peu quelques pièces de théâtre rémunérées, voilà, puis une école aussi d'acteurs. Et puis, je viens d'un milieu, comme je t'ai dit, très. Je suis un milieu prolo, quoi. Je suis un prolo, mon père était ouvrier. En tout cas, voilà, quand j'avais besoin de bosser, je le faisais. Voilà, j'ai bossé dans le bâtiment, j'étais ouvrier, j'ai bossé à l'usine, j'ai fait plein de petits trucs. Et à un moment donné, en fait, tout simplement, mon pote m'a proposé de rentrer, de rentrer dans la troupe. Et puis ça s'est passé, je suis rentré comme ça un peu par hasard, puis ça a marché. Ça n'a pas marché du premier coup, c'était un peu compliqué au début. Et en plus, c'était pas vraiment mon monde, parce que j'avais pas forcément de gens qui étaient totalement... on n'avait pas du tout les mêmes références, les mêmes trucs. Moi, j'ai toujours rêvé plus ou moins de faire plutôt du cinéma. Et en fait, j'avais jamais réussi à en faire. C'est-à-dire que j'ai bossé dans le spectacle vivant, le théâtre, les chorégraphies, les trucs, mais j'ai jamais vraiment fait de cinéma. À part par moi-même, quoi, des petits trucs perso, mais dans le milieu du cinéma.
j'ai jamais vraiment réussi. Donc moi j'étais plutôt attiré par ça, mais la vie a fait que j'ai rencontré d'autres gens et c'est très bien aussi comme ça. Et moi ce qui m'intéressait avec ce boulot déjà, c'était l'esprit de troupe en fait qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on était un petit peu des saltimbanques comme ça qui on chargeait le camion avec nos costumes. En fait c'était des spectacles vivants, des marionnettes géantes gonflables avec de la lumière. Moi je faisais beaucoup un spectacle qui s'appelait Fier à cheval. C'était une grosse marionnette de cheval et qu'il fallait manipuler. Puis on faisait des festivals, des spectacles. Il y avait une chorégraphie, il y avait un truc, il y avait ce travail chorégraphique aussi un petit peu toujours. Et bien, on s'adaptait à plein de situations. Et moi, ce qui me fascinait, c'était pas forcément le spectacle en lui-même. C'était plus la vie qu'il y avait autour. Toujours, tu sais, par rapport au voyage, l'aventure, comme je t'ai toujours dit. Ouais. Et moi, ce que j'aimais, c'était cet esprit un peu de troupe. Le côté, on charge le camion, on prend les costumes, on visite des pays incroyables, on part en tournée, on dort pas, on a fait beaucoup la fête. Tu vois, c'était des belles années parce qu'on était bien payés. On faisait bien la fête. Tu visitais plein de pays, donc moi j'ai visité pratiquement une trentaine de pays rien que comme ça, donc c'était super. Et en plus, ce qui était assez marrant, c'est que je suis vraiment passé de l'usine à ça, quoi. C'est-à-dire que je sortais de l'usine, et puis j'étais vraiment un prolo de base, et puis j'avais mon pote qui m'a introduit, puis bim, je me suis retrouvé du jour au lendemain à devenir intermittent et être payé super bien, et faire des tournées à travers le monde et tout. Alors ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, c'est un peu du hasard. Tendance à surfer un peu sur la vague et en fait les opportunités se font comme ça. J'essaie de pas trop réfléchir parce que dès que j'ai voulu un petit peu contrôler, réfléchir et cadrer, je me suis toujours un peu planté. Et dès que j'ai laissé un petit peu le truc se faire naturellement, ça a toujours fonctionné plus ou moins, tu vois. Donc j'ai toujours un peu fait comme ça. Mais ouais, en tout cas c'était des belles années, c'était des très belles années et de rencontres, de spectacles, d'esprit de troupe, on s'est vraiment bien marré. Moi, j'ai quand même toujours déjà. Alors malheureusement aujourd'hui je ne travaille plus. D'abord, c'était par rapport au Covid, parce que voilà, c'était par rapport à la vaccination, tous ces trucs-là, puis au voyage, au machin. Moi, j'étais pas forcément. Voilà, mais de toute façon, aujourd'hui, je suis un petit peu passé à autre chose en termes d'envie, en termes de tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus trop envie de voyager. J'ai bien voyagé. J'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai beaucoup parti des tournées, la fête. On prenait l'avion. On faisait des heures et des heures d'avion, des nuits blanches, on dormait pas, on enchaînait avec des spectacles. Après le spectacle, évidemment, je me reposais pas, hein, je faisais la fête, donc ça m'a détruit la santé. Donc moi, je suis vraiment passé, en plus, j'étais assez, assez sportif, chorégraphique, kung fu, machin, puis je suis passé dans un monde où j'étais aussi entre les deux, quoi. J'étais entre à la fois super, super carré, super sportif, et aussi complètement débauché par moments avec des soirées, des machins, enfin, c'était n'importe quoi. J'ai fait des fêtes incroyables à travers le monde, puis tu rencontres des gens, c'était fascinant de rencontrer des gens aussi. Une fois j'étais allé, je me rappelle, en Sibérie, j'avais rencontré des mecs on avait passé la soirée avec des bouteilles de vodka géantes et de très bonne qualité, mais j'étais pas forcément spécialisé. T'as pas le même froid que les Sibériens. Voilà, c'est ça, mais les mecs parlaient même pas anglais, on a quand même rigolé ensemble. Il y avait quand même ce côté, ce que je cherchais quand même dans l'universel, dans les voyages depuis longtemps, c'est-à-dire cet esprit de troupe, cet esprit de voyage, tout ça, c'était cool. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, voilà, je suis passé un peu à autre chose, j'en ai plus vraiment besoin, quoi. J'ai plus vraiment besoin de voyager, j'ai plus vraiment besoin de faire la fête, j'ai plus vraiment besoin de. Aujourd'hui, les envies vont être plus des choses que je voulais faire depuis longtemps. Et que je n'ai pas pu faire, je vais me concentrer sur ça, et notamment sur la création de mes petits films, mes petits courts-métrages, mes petits trucs comme ça, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu le Covid, le Covid, ça a été le gros truc à tout arrêter, c'est-à-dire que ça a arrêté les projets que j'avais en compte pour la figuration et puis pour mon petit scénar, et puis ça a arrêté aussi, parce que je voulais aussi devenir, j'ai toujours eu envie de, non pas d'être, en fait, en Chine et Hong Kong, j'ai toujours eu envie d'être plus créatif. J'ai pas vraiment voulu devenir un héros dans les films. Je voulais plus créer des films de là-bas, faire des films de kung fu, faire des trucs en tant que réal ou en tant que scénariste ou en tant que producteur, des trucs comme ça. Bah là, ça a tout coupé. Et puis malheureusement, mais là, c'est pas prévu que j'y retourne parce que maintenant ma vie est un peu différente. Mais j'ai vécu déjà des trucs super et avec la troupe, pareil. Ça a un peu tout coupé du jour au lendemain et maintenant je me suis refocalisé sur autre chose. Du coup, j'ai écrit un livre, j'ai fait une chaîne, j'ai développé mes films et maintenant je suis dans d'autres. J'ai d'autres envies en fait, j'ai d'autres trucs à faire.
enfin d'une autre zone. Alors oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube. Ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est que c'est vraiment, comme beaucoup de gens, en fait, le Covid qui a bloqué un petit peu mes rêves d'aventure, de voyage, mes rêves physiques, on va dire. Donc j'ai dû trouver une solution à un moment donné, une parade pour combler ce manque, ce vide et cette espèce de blocage, en fait. Et d'abord, en fait, avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, en fait, j'ai écrit un petit livre qui résume un petit peu ce que les choses dont on a parlé aujourd'hui, un petit peu, je résume un peu ça, mais plus par l'axe justement du cinéma d'Hong Kong. Donc c'est un petit livre qui s'appelle Le cinéma de Hong Kong et moi, où je reviens un peu sur mes aventures hongkongaises, mes aventures chinoises et tout ça. Et en fait, c'est un youtubeur de cinéma asiatique qui s'appelle Jonathan Asia, qui est venu me parler sur Facebook. Je sais plus comment ça s'est fait, pour te dire la vérité, je ne me rappelle plus. Je sais plus exactement le détail de cette conversation, mais il avait appris que j'avais écrit un petit livre, que j'étais allé à Hong Kong, etc. Et je lui avais envoyé mon bouquin, et puis il l'avait lu, et puis il m'avait invité pour un live, en fait, un jour. Et j'ai bien aimé et tout, c'était très cool, bon petit live, voilà, première fois que je passais sur internet, je connaissais pas du tout, j'ai jamais pensé ouvrir une chaîne dans ma vie, j'étais vraiment à des années-lumière de ça, disons que j'ai vraiment fait ce petit bouquin pour raconter un petit peu tout ça, pour partager, mais aussi, moi je l'avais d'abord un petit peu fait pour moi, c'est-à-dire que je voulais en faire ressortir certains trucs, et au départ je l'avais même pas tiré à des exemplaires, j'avais pas tiré à beaucoup d'exemplaires, je l'avais fait pour moi, après ça s'est étendu au cercle d'amis, et puis après, du coup, à des gens à qui j'ai pu l'envoyer, puis après, à quelques fans de cinéma de Hong Kong aussi qui ont entendu parler du petit bouquin. C'est un petit bouquin très amateur, très simple, très cool, c'est un petit témoignage comme ça. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis du coup d'être invité sur YouTube, et ensuite, il y a eu une espèce de demande, après mon émission, après mon live là, chez Jonathan, d'ouvrir ma chaîne, en fait. Il y a eu une espèce de, voilà, les gens ils sentaient que j'avais des trucs à raconter par rapport à mon vécu, par rapport au cinéma de Hong Kong, tout ça. Donc au départ, j'étais parti sur quelque chose je voulais faire que du cinéma de Hong Kong, avant que ça. Et au fur et à mesure, j'ai quand même parlé un petit peu d'autres choses, de certains films occidentaux et asiatique, hein, donc ce que j'appellerais la cinéma de l'Est et le cinéma de l'Ouest. Voilà, j'ai divisé un peu en deux, j'ai fait une cinquantaine de vidéos chacun, mais je suis revenu quand même à Hong Kong à chaque fois, parce que je trouvais que c'était toujours dans le cinéma de Hong Kong que je connaissais le plus de détails, en fait, parce que c'est vraiment le cinéma où je me suis intéressé un petit peu à tous les aspects, contrairement au cinéma américain ou français, où je suis porté par ça, ne serait-ce que par ma culture et là d'où je viens. Il y a des choses qui me touchent peut-être plus profondément à certains niveaux, mais je n'ai pas je n'y connais rien en termes enfin, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus creusé la question du cinéma de Hong Kong, et je suis allé beaucoup plus profondément parce que je regardais vraiment tous les genres de films, j'étais vraiment bloqué par rien, et ouais, il y avait un côté presque fascination par ce cinéma-là en lui-même, donc j'avais tendance à... Donc j'ai un peu compris que c'était là-dedans que je devais aller, donc je suis retourné à ça, en fait. Et puis en parallèle, je mettais aussi d'autres petits trucs sur ma chaîne. Ma chaîne s'appelle Max Pereira, donc c'est pas spécifiquement le cinéma de Hong Kong dans le titre de la chaîne, c'est le titre de l'émission sur le cinéma de Hong Kong, qui s'appelle Hong Kong Connection. Et après j'ai mis aussi un petit peu mes courts-métrages, etc. Et puis j'ai fait une petite émission aussi qui était très courte, qui s'appelle... Le retour du cinéma chinois en Chine, où je développais une espèce de théorie selon laquelle le cinéma chinois, depuis sa naissance, existait d'abord à travers le cinéma de Shanghai, des années 0, années 50, pour résumer, après l'arrivée des communistes au pouvoir, on va dire, qui a scié un petit peu le cinéma de chinois en deux et qui a forcé plein de gens à partir ou à choisir leur camp. Et du coup, c'est là, par contre, que s'est créé le deuxième cinéma chinois, donc après Shanghai, le cinéma de Hong Kong, qui pour moi est la deuxième époque du cinéma chinois, qui est en plus un cinéma chinois hors Chine, on peut dire qu'il est en Chine, mais hors Chine, enfin c'est un peu paradoxal, mais pour moi c'est vraiment le cinéma chinois des années 50 aux années 2000, encore un petit peu 2000 avec Johnny To et tout ça quand même, parce qu'il y avait quand même des trucs... Mais on va dire que ces 50 années-là, c'était vraiment le grand cinéma chinois était le cinéma de
de Hong Kong. Et du coup, ce que j'ai essayé de démontrer dans cette petite émission, c'était que le cinéma de Shanghai avait nourri le cinéma de Hong Kong, si on regarde bien, que ce soit les gens qui viennent de ce cinéma-là, comme les frères Shaw de la Shaw Brothers et plein d'autres, et qui ont nourri le cinéma de Hong Kong, bah, qui avait une espèce, encore une fois, voilà, de cycle, c'est-à-dire que les gens du cinéma de Hong Kong allaient nourrir le cinéma de Chine continentale. Donc typiquement, on a vu des grands réalisateurs comme Tsui Hark ou comme Stephen Chow, qui ont bien réussi à imposer finalement et à ramener ça, c'est-à-dire qu'à prendre l'héritage du cinéma de Shanghai qu'ils avaient, leur savoir-faire de cinéma de Hong Kong, de toutes ces années qu'ils ont développé, pour l'amener ensuite au cinéma chinois continental de Pékin. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le cinéma chinois retourne à Pékin, donc c'est pour ça le titre de l'émission, le retour du cinéma chinois en Chine, qui pour moi c'était un petit peu, était sorti de Chine, parce que en fait le cinéma de Hong Kong exprimait la vraie Chine. Aujourd'hui la Chine n'a pas forcément tendance à proposer la vraie Chine sur grand écran. Et Hong Kong avait au moins cette liberté, même si c'était un territoire colonisé, ben au moins ils avaient cette liberté d'explorer un peu tous les aspects de la culture chinoise. Et d'ailleurs, c'était le grand cinéma de la diaspora chinoise, qui aujourd'hui est le cinéma de... C'est plus les gens de Chine continentale qui s'y intéressent finalement, par rétroaction, mais c'était le grand cinéma de la diaspora, mais qui explorait tous les aspects de la culture chinoise. Il y avait autant des trucs violents que des trucs de telle dynastie. Enfin, comme tout était... Les Anglais s'occupaient pas trop, en fait, de ça. Je crois qu'à l'époque, en fait, ils essaient de développer leur cinéma parce qu'ils s'y intéressaient pas trop. Les Anglais laissaient un petit peu les Chinois faire leurs films. Et puis je crois qu'ils censuraient un petit peu de temps en temps, notamment bah, l'Enfer des armes de Tsui Hark, qui a été censuré un petit peu par le gouvernement anglais, enfin de là-bas, parce que c'était un peu trop critique sur la société hongkongaise, justement. Mais c'était, voilà, ça arrivait quand même, mais c'était assez rare, c'était vraiment sur des trucs très extrêmes comme ça. Ce qui s'est passé entre les années... Dans les années 2000, il y a vraiment eu un basculement, mais il y a eu la rétrocession. Le cinéma de Hong Kong, de toute façon, a commencé... C'était pas uniquement à cause de la rétrocession qui commençait à baisser, en réalité... Historiquement, il a commencé à baisser à partir de 95. Et on va dire que de 95 à 97, il a commencé à vaciller un peu. Il y avait de plus en plus d'œuvres qui se ressemblaient, des crises financières énormes. L'arrivée du VCD, de la copie, de la piraterie avait commencé à arriver. Et puis l'arrivée de la Chine et d'un marché énorme et qu'il fallait commencer à connaître, dompter, etc. Et donc il tâtonnait un petit peu, mais on va dire que dans les années 2000, il y avait encore c'est le dernier soubresaut du cinéma de Hong Kong, pour moi c'est un peu les années 2000, avec notamment les polars, et notamment avec Johnny To, et avec des films comme Infernal Affair par exemple, qui malheureusement sont arrivés à des points, alors là je parle pas forcément de Johnny To, je parle plus de le syndrome Infernal Affair, c'est-à-dire ces espèces de polars tournés dans des bureaux un peu aseptisés, qui étaient à des années-lumière des grands polars de la belle époque, un peu crado ou un peu... ou avec une dimension un peu héroïque, ou légendaire, ou mystique, ou voilà. Il y avait un côté très terre-à-terre, très bureaucratique, mais du coup qui était en adéquation aussi avec ce que devenait Hong Kong, avec la Chine, qui est un pays très bureaucratique, très... voilà. Donc ça correspond un petit peu à ça, notamment à Infernal Affair 3, qui est vraiment... qui a été fait pour la Chine, et en collaboration avec la Chine aussi, et qui est très 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 bureaucratique, très 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 verbeux, très 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 chiant, à ce niveau-là, qui s'éloigne complètement des polars, hongkongais de la belle époque. Là on rentre dans une autre époque, et effectivement ouais, il y avait ce que tu disais sur Johnny To, c'est que Johnny To pour moi c'est un des derniers grands ouais, qui, on va dire presque plus producteur pour moi en fait que réalisateur, parce que c'est vrai que je suis pas un immense fan hein, de Johnny To d'un point de vue de réal. J'avoue que je suis un grand fan de The Mission, je suis un grand fan de Breaking News, je suis un grand fan de plein de films. Mais j'aime Vengeance avec Johnny Hallyday, je l'aime bien. Il y a plein de trucs que j'aime bien. La détective, les élections. Voilà, là, je trouve ça bien, mais moi, en fait, le problème, c'est que ça m'éloigne d'un... Il y a encore un peu le côté crado, mais ça m'éloigne, parce qu'il n'y a pas assez de kung-fu, il n'y a pas assez de trucs qui se rapprochent un peu au corps, il y a un peu trop de... Voilà, c'est du polar, qui est de très bonne qualité, mais qui, moi, me plaît un peu moins. Mais moi, je suis un énorme fan de The Mission. Et même si The Mission s'éloigne de ce que j'aime à première vue, bah, c'est-à-dire que The Mission, c'est l'anti-The Killer. Quoi. C'est vraiment The Mission, c'est totalement l'inverse. D'ailleurs, c'est intelligent parce qu'il a amené un nouveau truc. Il a amené quelque chose de nouveau dans la mise en scène, tout ça. Mais non, quelqu'un de très important pour cette décennie-là. Alors, c'est la décennie 2000, c'est qu'un des... Après, on peut aussi citer Wilson Yip,
tu peux citer encore des mecs comme Benny Chan, Teddy Chen, qui eux étaient plus dans la partie action, ou des mecs comme Andrulo. Ouais, Ringolam, je crois qu'il était plus trop là dans les années 2000, je sais plus trop ce qu'il a fait. Je crois que c'est... Moi, Ringolam, je le vois plus comme un réal des années 80-90, comme un... je le vois plus de cette génération-là. En fait, à partir des années 2000, j'ai pas l'impression qu'il ait fait... Bon, après, je peux peut-être me tromper. Hein, mais... En fait, il a fait partie, trucs... je crois, des gens comme Jackie Chan, Jet Li... Qui étaient partis aux États-Unis. Voilà. Ouais, c'est dans ça. Les années 2000. C'est ça, exactement. Et oui, voilà, et en parallèle, il y avait tous ces mecs qui partent aux États-Unis aussi. D'ailleurs, c'est grâce à eux, sur... moi, j'ai pu découvrir un petit mec de campagne, j'ai pu découvrir tous ces films-là. Hein, c'est parce qu'il y avait tous ces mecs, l'Amérique les a appelés, et qu'on a pu découvrir leur film, même si ça n'a pas été très, très brillant à ce niveau-là, le ravalement. Pour moi, le seul qui a vraiment sorti son épingle du jeu, c'était Kirk Kong, avec The Big Hit, la petite comédie d'action avec Mark Wahlberg. Je n'ai pas vu, mais Replicant de Ringolam, c'était pas un bon film. Et puis je trouve que si Ringolam, il a bien marché avec Van Damme, il a fait 2-3 bons films. Mais si tu veux, moi je ne retrouve pas spécialement l'esprit hongkongais. Je considère que c'est des bons Van Damme, mais je ne considère pas que c'est des bons films hongkongais faits pour les États-Unis. C'est-à-dire que dans The Big Hit, je trouve que c'est une des rares fois où un réalisateur hongkongais a fait un film hongkongais pratiquement, alors que pourtant l'ADN est très américain, c'est-à-dire que c'est une espèce de comédie d'action avec un peu de gangster, de roman, avec de la musique américaine. Il y a un peu ce truc-là, donc il respecte les codes du cinéma américain, mais il arrive à apporter une certaine folie et des scènes un peu dingues de cinéma de Hong Kong que j'ai rarement vu dans un film réalisé par un Hongkongais aux États-Unis. Les têtes de Nicolas Cage et John Travolta, c'est vraiment très. Il y a un petit peu ça. De toute façon, John Woo était vraiment fait pour aller aux États-Unis. Lui, c'est vraiment celui qui a le mieux réussi, c'est clair et net. Alors qu'à quelqu'un comme Tsoyark, tu sentais qu'il était totalement chinois et que c'était impossible de faire un divertissement américain. Tu vois, même les films hongkongais qu'il a essayé de faire pour le marché américain, tu regardes The Master avec Jet Li, tu regardes The Black Mask 2, qui avait une portée internationale et qui était un peu américanisé, c'est des catastrophes artistiques, mais que moi j'aime bien, moi j'aime surtout Black Mask 2, il me fait rigoler, mais c'est des films, c'est des trucs, tu sens qu'il n'est pas fait pour ce type de public, pour ce type de pays, pour ce type de spectacle, et qu'en fait il a ça en lui, et qu'il le recrache dans ses œuvres, mais d'une manière très très très... avec son point de vue de chinois, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. Il a une culture geek, mais qu'il arrive à expulser de manière très 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 chinoise pour son public spécifiquement. Donc, vraiment, ils sont aux antipodes. Mais voilà, en tout cas, il y a eu, pour revenir à Drug War, ce que tu me disais initialement par rapport à John Ito, c'est qu'effectivement, il y a eu une époque, il y a eu un moment où ça a basculé entre Hong Kong et la Chine continentale et où ils se sont rendus compte que c'était un petit peu là qu'il fallait aller, Hong Kong, voilà, c'était fini, il fallait vraiment aller là-bas. C'était les années 2010. C'est vraiment dans les années 2010 où ils ont un peu lâché avec Hong Kong et ils se sont dit là on va commencer à faire des films typiquement pour le marché continental. John Ito, pour Drug War, c'est un peu particulier parce que je crois que c'est un film qui a été tourné en Chine continentale mais avec un acteur hongkongais quand même en tête d'affiche qui était Louis Ko. Et je crois que le film n'est même pas sorti en Chine continentale, il y avait un truc comme ça. Pour moi, c'était vraiment l'idée de conquérir le marché chinois. Mais après, peut-être qu'il a été au final interdit à cause de la fin, même s'il l'a très ascétisé pour le public chinois. Je t'avoue que je ne connais pas assez John Ito et la manière dont le film a été fait pour t'en parler, mais j'ai entendu parler de certains trucs par rapport à ça. Mais par exemple, tu as eu des mecs qui ont amené justement ce savoir-faire chinois. Savoir-faire hongkongais dans le cinéma chinois, pardon, pour moi, c'est vraiment Tsoyark et Stephen Chow qui ont commencé à faire des films. Il y a les Détectives D, La bataille de la montagne du tigre, nouvelle auberge du dragon qu'il a fait avec Jet Li, tous ces films-là, puis les Stephen Chow, les Journey to the West. Vraiment, je conseille à des gens comme ça, les Journey to the West 1 qui a été réalisé par Stephen Chow et les Journey to the West 2 qui a été réalisé par Tsoyark. Et scénarisé et produit par Stephen Chow, c'est magnifique, c'est vraiment superbe comme spectacle. Et moi, du coup, j'avais cette tendance à penser que, voilà, il y avait cette espèce de boucle qui faisait que, voilà, le cinéma de Hong Kong allait nourrir le cinéma chinois. Le problème, c'est que là, ils ont l'air de prendre une autre direction. Peut-être que ça va revenir, parce qu'après tout, on est encore au début de ce nouvel ère chinois, donc je pense que ça va revenir. Je pense que des mecs comme Tsoyark, quand ils auront fait suffisamment de films patriotique comme la bataille du lac Changjing par exemple, que moi j'aime bien mais qui est
qui est un film de commande en fait, qui est une commande. Ouais. Mais on sent qu'il est très impliqué quand même dans la. Il est très impliqué dans la mise en scène. Moi, j'ai vu quelques morceaux. La scène finale avec le jeu des ombres. Moi, je crois qu'il a fait plus de trucs pour le deuxième. Mais non, il était très 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 impliqué quand même, même si je pense qu'il s'implique dans beaucoup, même dans ses films de commande, il s'implique beaucoup de toute façon. Quand il a la liberté. Ouais. Parce que les films de commande de Van Damme, là il a eu moins de liberté. Ouais, mais je pense que Soyark est plus. Et en fait, a été beaucoup plus heureux de travailler avec les Chinois de maintenant, communistes, que les Américains capitalistes de l'époque. Ouais, parce qu'avec ce côté mettre en avant, parce que ça c'est très américain, le cinéma, cet individualisme à l'américaine, à l'occidentale, mettre en avant un mec comme ça, musclé, machin, j'ai pas l'impression que Soyark l'ait fait beaucoup dans sa carrière, ça, il avait plutôt tendance à glorifier des héros chinois, ou alors de raconter des types de récits qui mettaient en perspective des héros chinois avec la manière un peu collectiviste, c'est-à-dire qu'il y a pas forcément, il y a un héros, mais il y a aussi toute une chaîne de héros en bas qui l'aide. Ça c'est très chinois, dans le cinéma chinois, c'est un truc qui change par rapport au cinéma américain. Tu regardes un film comme La bataille de la montagne du tigre par exemple, il y a un héros, il est même un peu anti-héros, même un peu, il s'introduit dans la base, etc. Mais sans lui, sans les autres, il n'aurait pas pu réussir plein de trucs. Donc il y a quand même cette importance de la collectivité, du collectif, de chacun apporte sa part. Ça, c'est quelque chose de très très chinois aussi, par exemple, dans sa manière de faire. Et même, en règle générale, le héros d'un film de Soyark, c'est souvent quelqu'un qui en fait n'était pas fait pour être héros au départ, qui a ses propres faiblesses. C'est vraiment anti-héros, un peu lâche. Pas nécessairement, je dirais anti-lâche, mais quelqu'un qui doit prendre des responsabilités au final, mais qui va souffrir, un petit peu comme a fait John Letterman avec le cinéma américain de Blockbuster. Il a rendu plus humain ses héros. Ouais, c'est ça. Là où tu vois, on avait avant des Rambo immortels, enfin. Le 2 et le 3, et tout ça. Après, tu as eu John McClane, La Sacha Nero, où dans le monde réel, ces personnages-là ne seraient pas les héros qui sont dans les films. Mais oui, ça, c'était évident qu'il fallait humaniser, puisqu'ils avaient trop fait d'un côté, donc il fallait rééquilibrer de l'autre. Mais là, du coup, c'est ça le problème, c'est que maintenant, par contre, comme le cinéma chinois devient très patriotique, et que Wu Jing est vraiment l'incarnation absolue aujourd'hui. C'est un peu le nouveau Chuck Norris, quoi. Ouais. À l'époque où Chuck Norris faisait des films pour Américains, etc., avec des films de la canon et tout, moi je le vois un peu comme ça, Wu Jing. Ouais, moi j'arrive à l'apprécier de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est le nouveau patriotard chinois. Invincible. Effectivement, je pense que là, c'est là où Soyark n'est pas forcément très intéressé par ce côté-là, par le côté en fait très. Archétypal, très binaire en fait de l'héroïsme. Je pense qu'il a un côté plus intéressant. C'est pour ça que c'est un réalisateur plus intéressant, plus moderne, plus je le vois plus comme ça. Alors que comme je disais, John Ito, c'est un peu l'inverse. Il a tendance à glorifier la figure héroïque, même si il y a quand même toujours cette ambiguïté entre les deux. En fait, ce qui fait le lien en fait entre les deux, c'est le monde de la chevalerie. C'est-à-dire que tu sois gangster ou que tu sois flic. Lui, en fait, il dit tant que t'es un chevalier, tu peux être dans n'importe quel. Tant que t'es héroïque, que t'es un chevalier, tu peux être dans n'importe quelle paroisse. En fait, à un moment où on va se connecter entre nous, on va se rencontrer et ça va. C'est Breaking News qui mettait vraiment beaucoup cette image sur le côté de l'image que tu donnes aux gens, mais dont les actions diffèrent de l'image qu'on va te donner à travers les médias. Ouais. T'as les flics qui essaient de paraître pour les gentils, ensuite c'est les voyous qui essaient de paraître pour les gentils auprès des médias. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup justement le cinéma de John Ito, c'est que là aussi, en fait, t'as pas des super-héros, à part dans le côté quête, en fait. Dans le côté chevaleresque, t'as toujours le côté de la quête. Par exemple, dans Vengeance, dans Je vais aider, cette scène paraît absurde, la scène finale, mais parce qu'il a ce besoin à tout prix venger ses amis qui se sont sacrifiés pour lui, et ça fait que tout le monde lui tire dessus, mais il est encore vivant. Et c'est vrai que pour un public occidental, ça va paraître bizarre. Or, pour John Ito, et dans ce scénario, et c'est peut-être parce que c'est Johnny Hallyday qui le joue, que ça joue moins bien, mais il le fait dans d'autres films, ça, c'est que, en fait, c'est cette idée de j'ai une quête, j'ai une mission, je peux mourir après l'avoir fait. Ça, c'est un rapport très très confucéen. Ouais, confucéen, je crois, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça chez Confucius. Il y a cette idée de ce code d'honneur, c'est la morale, la vengeance. C'est-à-dire que
il y a dans la doctrine, enfin, je sais pas, dans la philosophie confucéenne, il y a vraiment ce truc de tu as le droit de te venger et c'est un tu dois d'abord, s'il faut mourir pour te venger, tu dois mourir, quoi. Il y a souvent des films comme ça où le héros préfère mourir plutôt que le méchant le survivre, en fait. C'est-à-dire qu'il préfère se sacrifier. Il y a toujours cette dimension-là où la notion de vengeance est vraiment un peu différente de la nôtre aussi. C'est un peu, nous on est plus sur une culture plus chrétienne avec plus d'amour et de pardon et de trucs comme ça, mais eux c'est encore autre chose. C'est, le héros est basé sur autre chose et la morale est un peu différente à la fin. Et le sens du sacrifice quand même se retrouve vachement dans certains films. Je pense notamment à Flaming Brothers, qui est une espèce de sous John Woo, un peu un heroic blood chain, mais plutôt de bonne qualité, avec Chow Yun Fat aussi d'ailleurs. Et à la fin, voilà, cette scène où le méchant les regarde tous les deux, ils sont ensemble, les deux héros, et il dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire, vous êtes deux pauvres gars, de toute façon je suis ultra riche, il m'arrivera rien, et je connais la police, le chef de la police, il va me libérer, donc le mec est mort de rire. Je crois que c'est le méchant de Shaolin Soccer, Patrick Tse d'ailleurs, qui joue ce rôle là. Il se marre comme ça, il part, et puis les deux héros se regardent comme ça, et ils disent allez. Et en fait, comme il y a les flics qui sont au jour dehors et qui les attendent à l'extérieur, s'ils voient un flingue dépassé, ben, ils savent qu'ils vont tirer dans le tas, et du coup les deux héros préfèrent donc courir vers les flics avec les flingues comme ça le méchant se fait buter, alors, et comme ça tout le monde se fait buter et ils sont tous là au ralenti, enfin tu vois là un peu la scène, et je trouve cette scène, c'est merveilleux parce que c'est vraiment, tu mêles l'héroïsme et la chevalerie et la justice, ce sens de la justice par-dessus tout, c'est-à-dire que tu préfères avec le sacrifice, et c'est con parce que tu te sacrifies, tu seras plus jamais là pour faire peut-être une autre œuvre héroïque, c'est dommage parce que comme t'es héroïque, tu te sacrifies pour ça, donc ça peut paraître un petit peu, tu te dis à quoi bon, parce que finalement des mecs comme ça qui s'en sortiront, il y en aura plein, et peut-être que je pourrais être utile dans d'autres endroits. Il y a vraiment ce côté absolutisme qui est utile au cinéma aussi, c'est une catharsis aussi, le cinéma ça t'aide à exprimer des émotions et à faire sortir des trucs. Et dans la tête du gars, l'émotion qu'on essaie de te faire ressortir, c'est « mais on va pas laisser cette raclure s'en sortir, c'est pas possible pour nos enfants, pour le monde, pour la vie, on peut pas faire ça, ça. » Et en fait, ils préfèrent se sacrifier. Donc ça, tu retrouves ce truc dans beaucoup de films, ouais. Surtout, c'était le polar au premier qui met beaucoup en avant ce genre. Moi, j'ai fait en fait, ça faisait des années. Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Plus ou moins, si je veux partir vraiment de ça, mais je n'ai jamais vraiment voulu participer à l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que, à part dans certains pays, là je parle spécifiquement de la France, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu participer au cinéma français, parce que j'aime le cinéma français et j'aime l'industrie du cinéma français d'une certaine époque, qui va de Max Linder jusqu'à Jean-Pierre Marielle, par exemple, ou Belmondo, enfin, les années 0 aux années 70, voilà, et puis encore un peu dans les années 80, il y avait quelques trucs, mais globalement, c'est beaucoup, voilà, il y a pas mal d'entre-soi, on fait pas des films très intéressants, on fait toujours un peu les mêmes trucs, c'est un peu, et le problème, c'est qu'il y a plein de talents en France, et qu'on a tendance à les scléroser, et à dire, ouais, mais en fait, tu veux pas amener tel sujet, tu veux pas parler de tel truc, tu veux pas amener tel univers, il n'y a pas la pluralité, comme ça, d'opinions d'expression que tu pourrais retrouver. Donc moi très très vite en fait c'est un truc que j'ai compris quand j'ai fait mes écoles d'acteurs et tout ça et de théâtre et tout ça. En fait j'ai vu que c'était des gens qui étaient ça marchait par famille. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Quand tu voulais amener un certain sujet, certains trucs, certaines références, les gens se foutaient de ta gueule. Moi je me rappelle j'étais en cours de quand j'étais acteur. Par rapport au cinéma de Hong Kong, mais je vais venir après, hein, pourquoi je te dis ça, il y a un lien avec pourquoi j'ai choisi de faire ce type de film après. Mais j'étais fan de cinéma de Hong Kong et on prenait des cours de cinéma avec la section, moi j'étais la section acteur, mais il y avait la section réalisateur. Et les réalisateurs, bon déjà, c'était très chiant parce qu'ils avaient toujours les mêmes références, c'est toujours des références très pas populaires. En fait, le problème, c'est que le cinéma français, à un moment donné, s'est découpé du cinéma populaire. Donc ne produisait plus de films héroïques. Tous les films que la Chine produit, que le Hong Kong produit, que l'Inde produit encore, que l'Asie produit de manière globale, moi je me suis dirigé vers ce cinéma parce que j'ai aussi ressenti qu'en France tu pouvais pas faire ça. Tu pouvais pas faire ce type de héros, on était coupé de tout ce qui nous coupait du monde de l'héroïsme, de la chevalerie, du film de cap et d'épée, du film du Moyen-Âge, de la mythologie grecque. Il y avait encore des mecs comme Christophe Gans, moi que j'admire, qui faisait des Pactes des Loups, des trucs comme ça. T'avais encore des mecs, pardon, comme
beaucoup de réalisateurs français qui essayaient d'amener ça, il y en a plein, il y a toujours des mecs intéressants, d'ailleurs en France aujourd'hui, hein, moi, que je, en creusant, tu cherches toujours un peu des films comme ça, des trucs intéressants, mais moi j'avais très vite capté que c'était un milieu très fermé, qui connaissait pas grand chose, et qui était vraiment sectaire, quoi. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque, le seul Hongkongais qui était abordé dans ces milieux un petit peu, il y en avait deux, t'avais John Woo, pour la partie populaire, on va dire, et puis t'avais Wong Kar-wai pour la partie intellectuelle, arty, auteur. Et entre les deux, tu n'avais rien. Et je me souviens très bien d'une scène, c'est pour ça que ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment fait, il y avait une section, une scission, quoi, vraiment. Je me suis dit, je ne peux pas travailler avec ces gens-là, c'est pas possible, je ne peux pas me mettre au service de ces gens-là. Et je me souviens que moi, j'étais... C'était une époque où j'étais vraiment mais fasciné par Stephen Chow. C'était Stephen Chow, moi tout le monde parlait de Wong Kar-wai et de John Woo, très bien. C'est très bien, c'est des réalisateurs importants. Mais entre les deux, il y avait des multitudes de choses qui se faisaient. Et moi, je me rappelle, j'avais une conversation avec ce mec qui avait fait un exposé sur John Woo, machin. Il parlait de John Woo. Et puis à un moment donné, j'étais dans la cour comme ça, on était en pause pendant le cours et tout. Puis je dis, ah, moi par contre, ouais, j'aime beaucoup le cinéma de Hong Kong, j'adore John Woo. Et moi, je suis fan de Stephen Chow en ce moment-là. Il y a tous ces films qui sont dispo, c'était les fansubs à l'époque, on voyait tous les films comme ça, c'était pas vraiment sorti encore en France. Et je me souviens, au moment où j'aborde le nom Stephen Chow, le mec me tourne le dos, quoi. Mais le mec vraiment me tourne le dos en mode, mais pff, qu'est-ce que c'est que ce Gus? En plus, il savait plus ou moins que... Moi, j'étais un peu... Alors, c'était une époque en plus où je venais un peu de la campagne, et puis j'écoutais beaucoup de rap, donc j'étais un peu entre deux... Et puis il y avait un côté un peu, pff, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi, qui, tu vois. Culture après, populaire, c'est stupide. Culture populaire, je sentais que dès qu'il y avait une connexion avec la culture populaire, d'où qu'elle vienne, hein, qu'elle soit de la France profonde ou du monde profond, il y avait un problème, quoi. C'est-à-dire que alors que maintenant, Stephen Chow, tu prends 20 ans plus tard, les films passent sur Arte, tous les bobos en parlent, tu vois. Il a été canonisé par je sais pas quel truc de bobo, Télérama ou je sais pas quoi, ou Arte, donc le truc ça y est maintenant machin 20 ans. Donc ils ont dit que c'était bien, mais quand un petit gus comme moi de campagne à l'époque en parlait, te disait que c'était formidable, les mecs me tournaient le dos, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce côté méprisant. Et j'ai vraiment connu ça, le côté méprisant, un culte, c'est-à-dire vraiment, les gens n'y connaissaient rien, quoi. Quand ils te parlaient de Jackie Chan, c'était « Ouais, mais Jackie Chan, c'est les Jackie Chan Chong, machin. » Il y avait vraiment une... Et puis presque raciste, en plus, tu vois, parce que c'est des gens toujours pronds à faire de la morale à tout le monde, mais en plus un peu avec des côtés, voilà, à rejeter la culture populaire. Et quand tu te revendiques être un peu comme ça, de gauche, un petit peu dans un milieu intellectuel, un peu progressiste, un peu machin, que tu refuses la viscéralité, la gratitude, le truc un peu populaire, quoi. Je trouvais ça toujours un petit peu... Donc moi, si tu veux, j'avais essayé à l'époque de faire des trucs un peu de... J'avais aidé un pote à faire passer un casting au cours Florent à l'époque, mais j'avais très bien compris un peu que Paris, c'était... Je sais pas, j'avais vu les coups. En fait, très vite, j'ai compris qu'il y a un truc qui fonctionnait pas. J'étais à des années-lumière de ce monde-là. Ouais, moi aussi, les cours Florent, je les ai fait... Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, il y a vraiment un abîme entre nous, tu vois, fans de culture populaire, de tous les tous horizons, avec ce côté un peu geek, donc le côté, tu sais, il y a le côté un peu mépris, t'es un peu méprisé, t'es un peu machin, puis tu viens en plus de la campagne, tu viens de la banlieue, ou tu viens de machin, puis t'aimes des trucs de Jackie Chan, de machin, de héros, de trucs de... Puis c'est des trucs populaires, puis c'est des trucs de... Et en fait, il y a ce côté un peu comme ça. Donc moi, j'ai retrouvé ça, puis vraiment cette fermeture d'esprit. Donc je me suis toujours dit, en gros, moi je veux pas participer à ce truc-là. Je veux faire des films, mais je dois trouver un moyen pour faire des films avec mes potes ou en... Tant pis, j'aurais pas le budget, j'aurais pas le truc, mais je veux pas perdre mon temps avec ces gens-là à faire des castings, à monter sur Paris, à leur lécher les bottes pour parce qu'ils vont, ils comprennent rien, ils connaissent rien à ce que j'aime, ils connaissent rien à la culture, ils connaissent même pas, même si je voulais leur parler de ma France profonde, ils la comprennent même pas. Si je veux leur parler de mon de cette expression de ce cinéma asiatique, enfin, très 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 fourni, ils connaissent même pas, tu vois. Ils connaissent parce que ça a été canonisé par Arte ou par un machin, par un tel. Donc très vite, j'ai été rejeté par ce monde et j'ai rejeté ce monde également. Et je me suis dit, moi j'aimerais juste monter des films un peu un jour avec mes potes. Donc moi j'ai d'abord commencé avec mon frangin, avec mon frère, mais c'était le seul qui aimait le cinéma de Hong Kong comme moi à l'époque, et on avait vu des films de Jackie Chan, et on refaisait les films dans notre jardin, et on avait une caméra, je pense que comme un peu tout le monde, on l'a tous plus ou moins fait, on tournait dans le jardin, on avait une caméra VHS, on pouvait même pas en plus déplacer parce qu'on devait la brancher
au secteur, même pas de batterie portable, donc il fallait tout filmer dans des endroits hyper réduits, donc je faisais jouer ma grand-mère, mes cousines, des potes du village, tu vois, des trucs, c'était génial. On pouvait pas faire trop de scènes d'action, ni tourner en forêt, machin, parce qu'on n'avait pas le câble. Des fois, une fois, j'avais pensé prendre une rallonge, associer plein de rallonges pour pouvoir traverser la route et pour pouvoir aller en forêt, mais c'était infaisable. Alors avec les parents qui devenaient fous parce que tu mettais des perruques, tu te déguisais, t'entendais dans le film ton père qui te faisait « Oh, c'est pas fini votre truc là, ça va pas durer 3 heures. » J'ai dit « Mais je suis en train de faire une scène, vraiment quand tu parles, il va t'entendre, c'est pas grave. » Il y avait plein de trucs comme ça, c'était assez drôle et tout. Et je me suis dit, en fait, j'ai ce plaisir-là. C'est-à-dire que ce plaisir-là, c'est presque un plaisir, j'ai presque une relation communieuse du cinéma. Presque, je dirais pas communiste, mais communieuse, c'est-à-dire que tu communies avec des gens qui ont pas forcément toujours la même vision que toi, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe quand tu crées un truc, ça vaut presque tous les, tu vois, toutes les trucs de les canonisations, les palmes d'or, les machins. En fait, le côté humain, il remporte beaucoup. T'as l'impression que tu crées, il y a un truc un peu artisanal. Tu tournes dans ton jardin, tu sors tes produits, puis tu vas et voilà. Et on faisait les films pour le, en plus on faisait les films pour les montrer à nos cousines, à nos grands-parents, à nos potes, à nos machins. On faisait vraiment, et ça j'aime bien ce rapport à l'art aussi, quand l'art est pas forcément un truc d'industrie ou d'essayer de vendre quelque chose, mais que de partage. Il y a le mérite d'exister, c'est-à-dire que moi j'aime bien le côté, quand j'étais gamin, je dessinais, je faisais des trucs, je dessinais beaucoup, je faisais des BD, des machins, et j'aimais bien le côté, je passe des heures à faire un truc, et puis à la fin, le truc il est là, mais même si j'en fais rien, personne pratiquement a lu, personne l'a vu, mais il existe, je me suis pris la tête et ça existe, et c'est là, si quelqu'un veut le prendre, il le prend. Il n'y a pas ce rapport, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que ça fonctionne, faut qu'on me voit, faut que plein de gens me voient, faut que ça. Et j'ai un peu la même démarche avec ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai pas d'abonnés et je veux même pas en avoir parce qu'en fait, après, tu rentres dans des trucs. Enfin, de toute façon, j'en aurais pas eu puisqu'en parlant de cinéma asiatique et de cinéma de Hong Kong uniquement, de toute façon, t'en as pas des masses. Mais voilà, j'aime bien le côté en petite communauté, tu fais ton petit truc et tout, et au moins ça a le mérite d'exister. Et en plus, ce que tu fais, c'est vrai, c'est authentique, et puis t'as pas besoin de te soumettre à qui que ce soit pour que ça puisse exister. Moi j'aime bien, j'aime pas cette espèce d'esprit de soumission, j'aurais pas pu faire ce métier aussi parce que il faut automatiquement courber les trucs, te censurer sur un machin, sur un truc. Bon, j'aurais pas pu faire ça. Donc, film entre potes, avec mon frère, machin, et puis quelques années plus tard, donc avec le même pote que j'avais, avec qui j'ai fait du théâtre, et avec qui j'ai bossé après dans la compagnie de spectacle, entre les deux, on a fait on avait l'idée de faire on voulait faire un film. On savait pas vraiment quoi, et à l'époque on tripait beaucoup sur des nanars, et surtout des nanars de ninja. Alors le film a pris les films de Godfrey Ho, tout ça, les deux en un et tout ça. Et en fait, on voulait faire un nanar, mais un peu comme quelqu'un qui fait un nanar un peu assumé, un peu à la Toxic Avenger, ou les trucs un peu tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais tu vas mettre beaucoup d'énergie dans des scènes complètement... Iron Sky ou par exemple Kung Fu Fury. Kung Fury, des trucs comme ça. Fury. Voilà, tu mets un peu de folie, tu mets pas forcément. Tu veux triper avec tes potes. Donc moi j'aimais bien cette énergie de te dire allez vas-y, on fait un truc, machin. Le problème c'est qu'effectivement ça. En fait c'est là où tu te rends compte que ça met extrêmement de temps pour faire un film, que le moment où tu l'écris ou t'as l'idée il se passe des années. Après Enfin vraiment c'est. Après c'est toute la frustration de quelqu'un qui pense à quelque chose, une histoire, et puis qui peut pas forcément la faire aboutir pleinement comme tu y as pensé. Donc c'était un film à l'époque, je voulais faire un film de ninja mais un peu nanardesque et qui s'appelait Hamburger Ninja Film. Et Hamburger Ninja Film, en fait c'était le Hamburger Ninja, ça venait en fait d'un hommage à un grand monsieur de la critique du cinéma asiatique et autres, et du cinéma populaire, moi je me suis beaucoup inspiré, qui s'appelait Christophe Chanclot, qui nous a quitté il y a quelques années, paix à son âme. J'ai eu l'occasion de lui parler de temps en temps sur Facebook, et quelqu'un du monde journalistique, critique ciné, que je me sentais le plus proche, parce qu'il était très connecté justement à tout ce monde héroïque, mythologique, etc., films de chevalerie et tout ça. Donc moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et il y avait un article à un moment où il parlait des
des films de la canon, et des films de ninja de la canon notamment, et il avait nommé ce petit chapitre Ninja Hamburger. Et moi j'avais pris sur son bouquin, j'avais pris le truc Hamburger Ninja, et alors j'avais créé un espèce de héros comme ça, que j'avais fait avec mon frangin d'abord. C'était un premier court-métrage qui durait 20 minutes, où j'avais fait jouer, parce que mon frère jouait dans tous mes courts-métrages, c'était vraiment lui l'acteur magnifique qui jouait dans tous mes héros de films. On avait fait Nicky Larson, on avait tout fait, on a fait Nicky Larson avant Philippe Lachaud, hein. Quand même, il faudrait que je lui montre un jour. Et donc voilà, donc c'était vraiment mon frangin, mais ça venait de ce petit court-métrage, donc Hamburger Ninja, et j'avais rajouté film, parce que je trouvais que ça sonnait bien, puis ça faisait un peu cheeseburger film sandwich, un peu à la Hamburger Ninja film, ça donnait un petit truc. Et je sais pas, je me suis dit, j'ai toujours eu un petit peu ce côté aussi obsessionnel avec ça, c'est que dès que j'avais un truc, fallait que je le finisse, fallait que je le termine, fallait que je le fasse. Donc c'est un petit... Au début, on voulait vraiment faire un long métrage, et finalement, avec les années, on a retourné une petite scène à droite, une petite scène à gauche, ça s'est étalé sur des années, puis on a fini par le finir il y a quelques temps, en retournant des scènes à la fin comme on ne voulait pas vraiment le faire, et puis finalement, ma copine a aussi beaucoup fait sur le montage, elle m'a beaucoup aidé aussi pour ça, parce qu'elle fait aussi des films. D'ailleurs, des films qu'on a fait aussi ensemble, on a fait des petits films ensemble aussi. Et du coup, voilà, mais c'était un film, ouais, moi je remercie beaucoup les... En fait, tous mes potes ont participé, tous mes meilleurs potes ont participé. Voilà, mon meilleur pote John, qui était avec moi au Kung Fu Shaolin, a assez occupé des combats et des chorégraphies avec moi. C'est lui qui fait le ninja noir du film, c'est lui qui fait le méchant, c'est lui qui chorégraphie les petits... Alors c'est des petits trucs, on n'a pas eu trop le temps pour les faire et tout, mais on s'est un peu entraîné. Mon pote Flo, qui lui a fait du théâtre avec qui je bossais dans la compagnie de spectacle, c'est lui qui m'a... C'est sans lui, j'aurais pas pu faire le projet, parce que je l'ai vraiment... On se crée autour de lui et moi, c'était une sorte de duo comme ça, et où moi je vivais chez lui à l'époque, et où lui vraiment il avait envie de triper et de faire des conneries, donc il était chaud. Donc lui, ça a vraiment été plutôt le producteur, l'acteur principal voilà, du film et tout, et le moteur, quoi. Vraiment, c'est lui qui a vraiment... C'était possible grâce à lui. Après, il m'a présenté Chris, qui m'a aidé vraiment à le faire de manière technique. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment la caméra, le matos, certaines scènes, certains plans que j'arrivais pas forcément à imaginer. Il m'a beaucoup aidé, donc c'est voilà ces trois personnes-là. Puis j'ai mon pote Anthony qui m'a aidé aussi sur la fin à boucler mes scènes. Mon pote Michael de Hong Kong aussi, qui a une petite scène du coup dans le film. Et pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce que j'ai dans le film, si vous regardez le film, il y a un petit hommage au film de Ninja de Godfrey Ho. Et à un moment où... parce que comme pour resituer un peu, Godfrey Ho, c'était un espèce de petit marchand de films qui achetait des films asiatiques un petit peu à droite à gauche et qui retournait des scènes avec des occidentaux pour faire croire que c'était le même film et il ajoutait ces scènes voilà, au métrage original. Donc ça, c'était une espèce d'arnaque comme ça, d'arnaque cinématographique. Et pour communiquer entre les deux films, il utilisait un procédé qui était le téléphone. Donc du coup, dès qu'il y avait un personnage de l'autre film qui appelait, c'était le personnage des films nouvellement tournés qui répondait, donc Richard Harrison avec sa célèbre moustache, et puis le téléphone Garfield qui répond au téléphone comme ça, mais en fait qui répond au mec de l'autre film. C'est totalement pas du tout clair ce que je viens de dire, mais ça va aussi avec l'esprit du bordel. Mais en tout cas, voilà, je voulais rendre hommage à cette scène-là dans mon film, dans mon petit court, dans mon moyen métrage, du coup, dans Hamburger Ninja. Donc il y a un téléphone Garfield, il y a votre serviteur qui a une moustache et qui répond au téléphone, et il répond au téléphone en plus à mon pote Michael, qui donc lui est à Hong Kong dans un autre film, et qui est en plus qui était un élève de Godfrey Ho, parce que Godfrey Ho était toujours, je crois, professeur de cinéma à Hong Kong, et mon pote Michael a pris des cours chez lui, et du coup, parce que Godfrey Ho, il n'a pas fait que des films comme ça, il a fait aussi des vrais films, notamment, mais il a beaucoup tourné d'ailleurs avec Sharon Young, mon sifu, mon maître. Il a fait 2-3 Girl with Gun avec elle, d'ailleurs ils se connaissent assez bien, je crois. Et du coup, la boucle est un peu bouclée, parce que voilà, Sharon Young, Michael, Godfrey Ho, les ninjas, machin, tout est un peu résumé dans cette petite scène. Et voilà, mais on a mis des années à le faire, on tournait quand on avait le temps, et quand j'arrivais, il y a même des moments où j'ai tourné une seule scène par an, quoi. J'arrivais à les avoir, et avec mon boulot des spectacles que j'arrivais pas forcément, puis à un moment donné j'avais complètement lâché l'affaire, puis je me disais je vais jamais le finir, puis j'y revenais, et puis finalement sur la fin on a terminé. Donc je remercie encore les gens qui m'ont aidé au départ et les gens qui m'ont aidé à la fin, parce qu'à la fin les dernières scènes, c'était, on les a tournées en très peu de temps,
il fallait tout réinventer. Et mon pote John et mon pote Anthony ont été d'une aide remarquable. Et ma copine, Yannan, que je remercie aussi infiniment, elle a fait le plus difficile. Elle a tout remonté, tout monté. Donc là, toi, tu connais, hein, je pense, le truc. Tout monté, tout fait les effets spéciaux, le son, les voix. Et toutes les voix, parce que le film est doublé en cantonais, mais doublé de morceaux de film que je mets sur les voix des acteurs. Donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage au cinéma d'Hong Kong. Donc ça a été un travail titanesque. En fait, ça a été presque plus dur de le monter et de le faire que de le tourner, quoi. Parce que finalement, il y avait le moment où on l'a tourné, il y avait cette énergie, on tripait, on faisait tous un peu un film différent, parce qu'en fait, on avait tous des idées. Parce que tous les gens avec qui je bossais, ce qui était marrant, c'est là où c'est un métier réalisateur, il faut imposer ton point de vue, c'est qu'ils avaient tous un point de vue différent sur ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que Flo, bah, il était resté sur cette idée de faire un nanar. Moi, j'étais parti sur plein de trucs. Alors, à un moment, c'était un nanar. Puis, à un autre moment, c'était un film à la Shaolin Soccer qui mélangeait comédie, action et tout. Puis, à un autre moment, c'était juste une comédie. Puis, à un moment, c'était juste un kung-fu. Puis, à un moment, j'ai ramené du cinéma d'action. Enfin, c'était... Moi, dans ma tête, comme il y a eu 10 ans, ça a été un espèce de bordel comme ça, incommensurable. Et voilà, alors, je pense qu'on avait tous un peu nos visions un peu différentes du film. Mon pote John, c'était quelqu'un qui était très fan de cinématographiquement. Il n'aime pas trop le cinéma de Hong Kong, il n'aime pas trop le cinéma un peu foutraque, un peu mal branlé comme ça. Donc il aime bien le vrai cinéma. Il aime Peter Jackson, Mel Gibson, il aime les grandes fresques comme ça, très épiques, que moi j'adore aussi. Mais c'est vrai que lui, il voulait amener ce côté un peu plus dur et il n'avait pas forcément l'occasion de le ramener là-dedans. Mon pote Flo, lui, il aime vraiment la farce. C'est quelqu'un qui est très. Esprit canal, les nuls, tout ça. Donc lui, il voulait amener un truc plus... il voulait faire n'importe quoi, il voulait faire des trucs partir dans tous les sens. Mon pote Chris, lui, qui filmait, lui, c'était vraiment la partie purement technique. C'était presque un peu une commande pour lui. Donc je lui demandais un peu des scènes et puis il essayait de me les refaire comme je voulais. Il disait, là, t'aimes bien. Puis il y avait des plans que moi, vraiment, je voulais qu'il me fasse. Enfin, il y avait un peu... Ça partait un peu dans tous les sens, mais du coup, ça apporte un petit peu d'énergie au film. Ça fait un petit côté un peu... On s'est mis un peu... Il y a vraiment tous les copains qui ont participé. Et tous les copains, en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai vécu dans des villes et dans des endroits différents. Mon village, donc il y a mes potes de Porcieux, de là d'où je viens, mes potes de Lyon, John qui est plus de la région lyonnaise, donc lui, que Lyon où je fais mes études, mes potes de Mâcon, là où j'ai tourné le film principalement, pratiquement tout, et où, avec qui je faisais aussi des spectacles qui m'ont aidé. Et puis Hong Kong, mon pote Michael Dong. Donc en fait, il y a pratiquement toutes les époques où j'ai vécu, tous les amis que j'ai eus. Ont participé pratiquement, enfin mes amis proches en tout cas ont tous participé au film en fait, donc c'était plutôt pas mal. Et tous les endroits où j'ai passé des dix années comme ça, voilà, avec eux. Donc voilà, travail de film de potes, film d'amitié qui vaut ce qu'il vaut, mais qui moi je suis très content d'avoir surtout fini et d'avoir sorti. C'est-à-dire que le film dure 45 minutes. Et c'est un pur hommage, voilà, au cinéma de Hong Kong, au cinéma des années 80. Et c'est surtout un film de potes, voilà, donc il faut surtout le voir comme ça. Mais, un film de potes et un centre de potes d'orgue un petit peu à toutes les époques que tu as vécues. C'est ça. Parce que ça s'est fait pratiquement sur 10 ans. C'est, si tu regardes bien, le film, je l'ai écrit en 2010 et je l'ai fini en 2020, tu vois, un truc comme ça. Donc en fait, alors que tu vois le résultat, tu te dis bon, c'est pas ouf d'avoir attendu 10 ans, mais en fait c'est pas ça, c'est que je reprenais le truc, genre je l'ai écrit en 2010, on a commencé à le tourner en 2016. Donc en fait j'avais eu l'idée dans un coin, on avait développé des trucs, entre temps j'avais voyagé, j'étais parti en Chine, j'avais vécu là-bas, j'ai fait plein de trucs, donc du coup ça s'est... Puis ça a fini par sortir comme ça, par miracle, par le biais des rencontres, et encore une fois ça va bien avec ma vie parce que il y a à la fois tous mes voyages, toutes mes rencontres, tous mes amis, toutes mes références cinématographiques, tout ça, ben c'est balancé comme ça, un peu dedans, un peu de manière... en fait, c'est très naïf. J'ai une manière très naïve d'aborder en fait, le cinéma, très adolescente, en fait. Je me dis, vas-y, je le fais quand même. Je fais un film de ninja avec du kung-fu et des machins et trucs, mais tout le monde va te dire, ouais, mais... commence par un truc plus simple. J'aurais effectivement dû commencer par un truc plus simple, mais non, je me rends compte parce que ça a quand même été une galère et une frustration à plein de niveaux. Mais je suis content de l'avoir fait. Et puis peut-être que je referai un 2 qui sera de meilleure qualité, je sais pas, j'en sais rien, mais voilà. Mais en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un côté aussi organique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la vie. C'est-à-dire qu'en fait, tu apprends de toi par toi-même. Tu as des obsessions, tu as des rêves, tu as des envies de creuser, de découvrir, etc. Et en même temps, tu ne peux pas le faire tout seul.
Et l'art, le cinéma est un art assez collectif de base, mais en plus de ça, là, dans la dimension qui... Moi, je mets ça au diapason avec ma propre vie et le film en lui-même. C'est-à-dire que dans ma vie, j'avais cette espèce d'envie personnelle et tout, et de faire tous ces trucs, mais en même temps, j'ai eu des amis formidables, des gens qui m'ont aidé à m'en sortir, quand j'étais en galère, à faire des trucs. Moi, j'ai eu des amis, j'ai eu une chance pour ça incroyable. Je les remercierai jamais assez, mais... C'est presque comme ma famille. Aujourd'hui, on se voit plus beaucoup parce qu'on habite loin, etc. Mais c'est des gens qui m'ont aidé pour ce film. Les gens qui m'ont aidé pour le film, ils m'ont autant aidé pour le film que dans la vie. Et il y a aussi ce côté, bon, Max, il a ses obsessions, ses machins, mais tout seul, il n'y arrivera pas. Tout seul, déjà, il ne le fera pas. C'est-à-dire que, simplement, il ne le fera pas. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui ne m'avaient pas poussé à le faire, je ne l'aurais pas fait. Mais tu dois aussi prendre confiance en toi. Tu n'as pas forcément confiance, mais ils te donnent cette confiance. Et chacun apporte sa petite part. En fait, c'est vraiment un échange entre ce que tu veux, toi tu veux creuser la vie, et eux, qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter dans ton creusement et dans ton truc. Et c'est réciproque, c'est mutuel, et c'est pour ça que des fois, quand ils ont besoin d'aide ou de trucs, tu dois aussi être à la hauteur, tu vois. Tu l'es peut-être pas forcément tout le temps, mais faut au moins y penser, et après y penser, faut un petit peu faire aussi, tu vois, si vraiment il y a besoin. Et c'est vrai que moi, je viens de loin, mais j'ai eu cette envie, ce feu intérieur, mais qui a aussi été ravivé par des gens qui ont ravivé le feu, parce que j'aurais pas pu non plus le faire tout seul. Donc voilà. Et ma copine, je la remercie pas simplement parce que c'est ma copine, mais c'est juste parce qu'à la fin, on a fait. Je dis pas qu'on a failli. On n'en est pas venu à cet extrême-là, mais on s'est pris la tête sur des détails, parce que le problème, c'est que c'est. Là, je le dis vraiment pour le public, mais le moment où tout est filmé. De toute façon, t'as pas pu filmer tout ce que tu voulais. Bon, ça, c'est une donnée que tu es obligé d'accepter. Mais de ça, tu peux au moins rajouter tout un tas de choses. Donc, tu peux rajouter les musiques que tu veux, les bruitages que tu veux, la rythmique que tu veux, et le rythme que tu veux, etc. Donc là, par contre, tu es méticuleux sur tous les détails, parce que là, tu n'es pas dans un rapport où tu n'as pas le temps de tourner, tu n'as pas le temps de... Parce que quand... Moi, j'aime bien le côté aussi, on a improvisé plein de trucs. Il y a plein de scènes qu'on a improvisé, parce qu'on n'avait pas le temps, parce que machin avait un tel truc, il devait y aller chercher les gosses à telle heure, donc on devait finir la scène. Il y avait plein de trucs comme ça, mais ça va avec l'énergie. T'arrives à capter un maximum de trucs sur le tournage, c'est déjà pas mal, mais quand t'es derrière ton ordinateur, là, tu as le temps de tout finir, en fait. Donc tu peux te prendre la tête et te reprendre la tête sur plein de trucs. Donc là, y a des moments où elle voyait les choses d'une certaine manière. Et en plus, elle faisait des petits films dans son coin, mais qui étaient plus, des films... On vient de deux univers différents, moi, c'est vraiment des univers très traditionnels. J'ai une manière très traditionnelle d'aborder l'art, moi, c'est-à-dire le bien, le beau, le vrai... Je suis pas dans son... Elle vient de l'art contemporain. Elle est fan de Tarkovsky, elle est fan de tous ces trucs. Il n'y a pas forcément d'histoire dans ses films, elle a des structures, elle expérimente. Elle a vraiment un côté art contemporain. Voilà, c'est ça, tous ces trucs-là, côté un peu moderne, l'art contemporain, l'art comme ça. Moi, j'ai une manière beaucoup plus traditionnelle avec l'art. Donc, moi, c'est simple, principalement la peinture des héros, la peinture des actes héroïques, hein, c'est principalement ça que je recherche à travers mes œuvres, avec mes petits films. Donc, on a deux rapports différents. Donc, elle, évidemment, quand elle a vu un truc avec des ninjas, des héros du kung-fu, un côté un peu fantasy, science-fiction, c'est pas du tout son univers. Elle va plutôt aborder ça comme elle a ça, mais elle un peu pour les mangas. Elle est fan de One Piece et des trucs, elle est un peu plus jeune que moi, elle a grandi avec tout ça. Donc là, elle peut se rebrancher à ça par le biais du manga et de la série animée, tout ça. Elle peut brancher à ça. Mais elle trouve, il y a des scènes, elle disait, mais pourquoi tu veux la faire comme ça, cette scène-là, alors que... Alors, on avait deux perceptions différentes, donc ça te rajoute encore une autre perception. Et toi, tu te bats pour vraiment imposer ton œuvre, et par moments aussi, t'abandonnes. Par moments, ce qui est intéressant aussi, mais d'ailleurs, c'est arrivé sur le tournage, mes potes, ils me disaient, là, c'est mieux si tu le fais comme ça, je pense. Et ce que je faisais souvent, je faisais, bon, on va le tourner de deux manières, tu vas le tourner à ma façon et à ta façon, et je vais garder la meilleure façon. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et des fois, ma façon l'emportait, puis des fois, c'était leur façon qui l'emportait. Et là, c'était un peu pareil au niveau du montage et de la post-prod, quoi. C'est que tu... Des fois, ces idées étaient meilleures. Et notamment, moi, l'idée de fin, je vais pas spoiler pour les gens, mais c'est pas un scénario, il y a beaucoup de trucs à spoiler, c'est un scénario très simple, mais il y a une scène où mon héros part comme ça, au loin, sur une musique un peu de film de ninja de Godfrey Ho, d'ailleurs, il part au loin,
Et j'avais deux possibilités à la fin de cette scène de choisir. Il y avait soit je terminais en marchant simplement au loin comme un héros de film de Kung Fu, très premier degré. Avec le générique de fin qui défile. Comme bon, tu l'as vu, c'est un archétype que tu as vu mille fois dans mille films de héroïque. Hein. C'est des trucs, c'est y a un côté un peu Robin des Bois, il y a un côté un peu ninja. Enfin voilà, c'est un truc que tu as vu mille fois. Et il y avait une autre version que mes potes m'avaient imposé de faire. Ils m'avaient dit, et si tu glissais sur ce petit toboggan d'enfant là avant de partir au loin. Et j'ai tourné ce truc, j'ai dit, ouais, mais je vais pas. Enfin, ouais, ok, on la tourne, mais je vais pas garder ça, mon héros qui glisse sur un toboggan d'enfant. Et en fait, j'ai gardé cette version-là. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait garder ça, parce que ça correspondait à l'esprit du film. C'est-à-dire que le film que t'as fait entre potes, avec le budget d'un merguez frites, et tu vois ce que je veux dire, tu peux pas faire croire que c'est un truc complètement sérieux. C'est-à-dire que tu y crois en tes personnages, mais tu peux pas finir comme ça. Il faut que tu. Il faut que tu te dises, il faut que tu reviennes à la volonté première de ce que tu veux quand tu veux faire des films, c'est-à-dire jouer. Simplement jouer, t'amuser avec des copains dans ton bac à sable. C'est-à-dire que le côté. Et d'ailleurs, moi, je recherche. En fait, c'est toujours ça que je recherche, c'est de te dire, en fait, tu t'amuses à faire un truc, comme quand tu t'amusais avec tes petites figurines, ou que tu t'amusais à dessiner, ou que tu t'amusais avec tes potes à faire des jeux, des machins. Tu retrouves ça. Et donc, il y a un côté enfantin, naïf. Le héros, avant de partir au loin, il glisse un petit peu sur un toboggan d'enfant pour exprimer que, en fait, tout ça, c'est pour rigoler. Mais il part quand même au loin et il a accompli sa mission. Mais il y a quand même ce petit rappel, le film est quand même une belle farce, quoi. C'est quand même c'est une farce, tu vois, tout ça. Et j'aime bien ce côté-là, parce que tu reviens à un truc très enfantin d'origine. Et finalement, bah, j'ai gardé sa version. Mais ouais, non, mais je te rejoins dans cette vision du cinéma et qui fait que, effectivement, avec les gens du métier et avec le CNC et le copinage, tu ne peux pas faire ce genre de film-là. Tu ne veux pas forcément avoir ce genre d'émotion et ce genre de truc d'ailleurs, peut-être. Ouais, là, tu peux l'avoir dans d'autres, à d'autres moments, mais tu peux. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est l'authenticité et la naïveté, comme tu as dit, enfantine, ouais. En fait, dans les films. Ouais, je suis radicalement différent de toi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien jouer avec le minimum de. Je suis pas comme ça. Tu vois, je peux pas bouger, parler fort, machin. Moi, je suis presque monocorde, presque. En fait, et moi, je faisais rire les gens. Je me rappelle, c'était il y a longtemps, ça. Dans mes cours de théâtre et de tout ça d'acteur, là, je faisais rire les gens avec presque rien. En fait, j'essayais vraiment d'arriver, et de rajouter 2-3 éléments, de les faire marrer avec 2-3 trucs que j'arrivais à capter. Mais l'extravagant. Mon pote Flo, il est là-dedans. Il adore l'extravagance, l'extérieur. Toi, il est très extérieur, tu vois, il est bien extérieur. Moi, je supporte pas. Et d'ailleurs, j'aime pas trop ça non plus, moi. Tu peux ne pas. Non, mais c'est un point de vue. Hein. Je te dis juste que c'est moi, c'est ma perception. Et c'est vrai que moi, je pourrais jamais faire ça. C'est-à-dire que je pourrais jamais me partir en mode. Tu me demandes d'interpréter une folasse, tu vois. Je peux pas faire ça, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est techniquement impossible. Mais même pour un très très gros salaire, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne pourrais jamais jouer autre chose que moi-même. Tu vois, interpréter des rôles. Parce qu'il faut être très 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 bon pour interpréter des rôles en fait comme ça. Faut être charpenté. C'est très bon. Moi, j'ai tendance à être plutôt de l'école de ceux qui. D'ailleurs, ce que tu disais sur les acteurs, qui laissent plutôt les acteurs jouer comme ils veulent jouer. C'est-à-dire qu'ils font du clavier, qu'ils font du De Funès. Je suis plutôt de cette école-là. Moi. C'est-à-dire que moi, la comédie, ça va plus me faire rire en lien avec les acteurs qui vont jouer la comédie que le film en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes comédies, moi par exemple, que je trouve comme les films d'Edgar Wright, je trouve que c'est des bonnes comédies, parce que techniquement, il les fait... Elles sont absurdes. Mais c'est absurde, mais si et tu veux, voilà, là il y a les deux, parce que c'est-à-dire que les jeux des acteurs, je les trouve trop cool, et la réalisation est trop cool. Ouais. Mais moi, la comédie, je ne vais pas forcément chercher une bonne réalisation. C'est-à-dire que moi, l'autre jour, j'ai regardé les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On aime ou on n'aime pas, peu importe. Moi, là-bas, j'étais pas trop fan, mais c'est vrai que j'ai... En fait, c'est pas forcément ce que le film raconte, moi, qui me fait rire, mais c'est... Moi, j'aime beaucoup Christian Clavier dans son jeu d'acteur. Il me fait rire. Quand il me fait... il va se faire péter dans l'église, tu vois. Il y a des trucs, juste son jeu, la manière dont il le joue, en fait, ça me fait marrer. Il pourrait dire n'importe quelle saleté, n'importe quel truc, en fait, ça va me faire rire. Et j'aime beaucoup... mais des mecs indéfendables, tu vois. Elie Semoun, peut-être, parce qu'il y a aussi toujours... Elie Semoun, même tu peux même citer Dieudonné. Moi, Dieudonné, j'adore quand il joue, parce que lui, c'est, voilà, au niveau acteur, tu vois, c'est vraiment un truc incroyable. Mais la manière dont il joue, c'est pas forcément le sujet. Parce que le sujet, il peut être radical,
ou indéfendable de point de, par rapport à des points de vue, mais à la rigueur, ça m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont tu le joues. Et je trouve qu'il le joue trop bien. Mais pareil, François Damiens, il fait du François Damiens. Voilà. Mais il le fait trop bien. Tu aimes, peut-être pas, c'est quand t'as Dupieux aussi. Voilà. Mais par exemple, tu vois, quand t'as Dupieux, j'ai du mal avec son humour. Mais je non, quand t'as Dupieux, c'est encore. Ouais, je suis pas fan non plus parce que c'est un humour très spécial. Mais il y en a qui aiment. Et donc, là, moi, je te parlais plus des acteurs. Je te parlais plus des acteurs, mais. Non, j'ai pas de grand auteur de comédie. J'aime bien les... Moi, en fait, la comédie, pour moi, ça passe par les acteurs. Pour moi, personnellement. Mais c'est un peu comme quand je regarde un film d'action ou un certain type de film. En fait, je vais le regarder pour le personnage ou pour l'acteur. Ou si tu me fais un Rocky 12, je vais regarder pour Rocky. Et si c'est un Rocky 12 réalisé par Brett Ratner, je vais quand même le regarder, en fait. Parce que, ou je t'ai cité, j'aurais pu te citer autrement. Parce que notre runner, faut. Ouais, c'est vrai que c'est assez, je tire sur une ambulance. Je me suis promis donc, il m'est venu en tête, mais je sais pas, un mec qui, pas spécialement, il a pas marqué le cinéma par sa singularité et puis son. Tu vois. Je vais quand même le regarder parce que le personnage me fascine. C'est vrai que je suis plus happé par les personnages et par les acteurs et par leur style. Que peut-être par les. Peut-être que je suis plus un type de. Qui aime plus les acteurs finalement. Les enfin, pas les acteurs, les incarnations voilà. que les films en eux-mêmes. Que des fois je vais trouver un film innommable, mais je vais te dire, oh l'incarnation du mec là, la merde dont il glorifie le héros, ou le mec est complètement dingue à l'intérieur, c'est lui qui fait le film. D'ailleurs, ça vient beaucoup de Bruce Lee. Parce que Bruce Lee avait tendance à se filmer lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait en scène en étant devant la caméra. Il avait cette tendance à dire, là, tu vas me filmer de cette manière-là. Alors, c'est hyper narcissique, mais je pense de toute façon que ces acteurs-là, que moi, j'aime bien, et moi, j'ai cette dimension narcissique en moi aussi, et que j'essaie d'exprimer, de faire sortir, parce que je pense que c'est pas bien d'avoir. Mais il faut être un peu narcissique pour pouvoir imposer un peu sa vision. Louis de Funès était comme ça, Clavier est comme ça, Bruce Lee était comme ça, Depardieu. Moi, j'aime ce type d'acteur, mais je suis complètement conscient de du narcissisme qui en découle, qui est une pathologie presque, qui est narcissique, pathologique. C'est vraiment... Mais ça, c'était le cas de plein d'acteurs qui me fascinaient dans les années 70 aussi, par exemple, comme des Steve McQueen ou des Clint Eastwood ou des mecs qu'il fallait pas emmerder, c'est-à-dire que je vais faire la scène, mais tu vas me laisser la faire comme moi j'ai envie. Et moi, c'est vrai que, et ça c'est un défaut, j'ai tendance à, quand je viens sur un tour, moi il m'est arrivé de faire des trucs que j'avais pas envie de faire, dans des sketchs chez des potes, des trucs comme ça, et je me suis dit, il voulait absolument que je la fasse de cette manière, et moi je savais que si je la faisais de cette manière-là, t'allais avoir une daube, mais... Incommensurable. C'est-à-dire que moi, là, je savais que j'allais être dans la caricature, dans le truc, c'était pas moi. Et que. Alors, non, tu laisses-moi la faire à ma manière. Bon, si vraiment tu trouves que c'est pourrave, tu me le dis. Et je ferai autre chose, j'essaierai de trouver autre chose. Donne-moi des indications. Mais si là, on l'a fait comme toi, tu penses, ça va être horrible. Ça va être horrible parce que je vais mal le vivre. Et bon, après, c'est un métier. Hein. C'est-à-dire que je pense aussi que. Les mecs qui arrivent à se mettre dans des états et dans des rôles, c'est un vrai métier. Moi, je pars du principe que c'est pas mon métier. Je suis pas acteur, tu vois, je n'interprète pas des personnages. Je fais rire mes potes dans la vie, j'ai toujours fait rire mes potes. J'ai toujours eu ce côté où les gens... Ça a jamais dépassé ce stade parce que j'ai jamais voulu explorer, me mettre dans des états émotionnels, des machins. Ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais du coup, je sais plus ce qu'on disait à la base, mais... C'était justement sur le fait que... Quand tu crées un univers, vaut mieux ne pas le toucher. Après, la base, en fait, c'est surtout ça. Tu peux apporter tes idées de plan, de mise en scène, supplémentaire, une idée de dialogue en plus. Ouais. Mais quand tu vas essayer de toucher la base du scénario et son cheminement, alors que tu n'es pas dans la tête de la personne qui l'a écrit, ça sera un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, après, moi, mon humour... est très porté sur le burlesque, mais je l'adapte aussi beaucoup aux acteurs avec qui je vais faire jouer aussi. Les futurs projets, alors quels sont mes futurs projets? Mes futurs projets, j'aimerais beaucoup... Alors, déjà d'un point de vue de ma transmission du cinéma de Hong Kong et d'un certain cinéma de Hong Kong, parce que finalement je me suis rendu compte que c'était le cinéma de Hong Kong que je maîtrisais le mieux, et en plus qui est un cinéma très méconnu,
Donc je veux vraiment apporter aussi ça, c'est l'envie aussi de cette chaîne et de tout ça et de parler de ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma qui n'est pas très très connu et reconnu et qui marchera probablement pas jamais vraiment en France parce qu'il y a un truc qui accroche pas avec la culture chinoise et puis ça a été fait à une certaine époque et tout, alors que voilà, le cinéma japonais, la culture coréenne, voilà, à travers les... marche beaucoup mieux, mais c'est vrai que l'univers chinois marche moins, mais de même que l'univers indien aussi. Mais bon, ça peut changer, par moment il y a des petits appels d'air, mais il y a vraiment cette volonté, voilà, de parler de ce cinéma-là, que je vais probablement faire au travers d'un... Alors, un petit peu encore sur ma chaîne, mais passer à l'étape supérieure avec peut-être un podcast. Ça c'est plus pour la transmission d'un certain type de cinéma que j'aime bien, alors j'ai pas encore, c'est encore à l'état de projet, mais un podcast qui traitera justement évidemment beaucoup de cinéma de Hong Kong, de cinéma asiatique, ça sera un petit peu le cœur du truc, mais aussi comme je t'ai dit du cinéma d'action, du cinéma héroïque, du cinéma populaire, voilà toutes ces dimensions là dont je trouve qu'on rend pas beaucoup hommage voilà à travers je respecte tous les points de vue en fait des gens, c'est-à-dire que j'aime bien quand il y a, mais j'ai envie qu'il y en ait un peu pour tout le monde, c'est-à-dire que je trouve que ça manque un peu, le côté un peu bourrin, le côté un peu badass, un peu voilà, cinéma populaire, cinéma d'action, cinéma héroïque, on parle, voilà, parler un peu des films de Donnie Yen par exemple, des films de kung-fu, des films chorégraphiques, des tokusatsu, des péplums, de la mythologie grecque, des héros, des trucs comme ça, des héros populaires, des working class héros, tout ça, ça m'intéresse, ça sera un podcast un peu sur ça, et aussi qui parlera de tous ces gens qui font encore ce type de cinéma, et qui existent encore, évidemment en Asie, à travers le cinéma indien, à travers les films de Donnie Yen, le cinéma de Hong Kong qui existe encore un petit peu, avec des vieilles formes, quoi, qui reprennent ces vieilles formes un peu traditionnelles, avec encore un pied dans la tradition, et puis du côté occidental, par exemple, des films comme les films de Cameron, les films de Clint Eastwood, les films de Tom Cruise, par exemple. Mel Gibson, Stallone et Clint Eastwood, ils commencent à être un petit peu... voilà, Mel Gibson tourne quand même moins, mais j'attends toujours ses projets, mais même des gens comme un peu comme Peter Jackson, ou des gens comme ça, ou des gens qui font encore un cinéma un peu à l'ancienne, avec basé sur des mythes un peu anciens, et qui ont une manière un petit peu classique, on va dire, de faire du cinéma, mais avec les moyens modernes. Par exemple, Cameron, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une manière très universelle et classique de raconter des histoires mythologiques, etc., mais en même temps avec des moyens techniques très, 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 très puissants, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà, un petit peu les derniers Mavericks, quoi, les derniers mecs où tu sais qu'ils vont, forcément se faire tuer par la force des choses, par l'histoire, mais ils sont toujours là et ils portent encore le drapeau d'un cinéma qu'on aime. Donc moi, c'est ce que j'aime. Mais même quelqu'un comme Keanu Reeves et ces mecs-là, là, les mecs qu'on fait John Wick et tout ça, qui, moi, je suis pas... ça me touche moins en termes d'univers. Mais par contre, en termes d'esprit, bah, ces mecs-là, ils font encore du cinéma un peu à l'ancienne, avec leurs cascades, ils font leur chorégraphie, ils inventent des trucs, ils inventent des univers, voilà. Un côté un peu viscéral, un peu plus, voilà, du cinéma que voilà, un truc qui va parler un peu plus de ça, transmettre un peu plus ça. Et puis personnellement, moi, après, donc vraiment mon truc perso à moi, sans prendre en compte le fait que je dois transmettre quoi que ce soit, ou que je dois faire des choses avec des gens qui veulent aussi transmettre ça, si tu me prends vraiment moi, c'est toujours ce que j'ai toujours voulu faire, à savoir... essayer, par exemple, la prochaine étape, ce serait d'essayer de faire un long métrage. Alors un long métrage avec les moyens d'un court, avec sans budget, sans rien du tout. Mais voilà, dans l'idée, ce serait d'essayer de faire un long métrage indépendant, voilà. Qui raconte effectivement, inventer une espèce d'univers avec un héros, avec une identité, avec une ambiance, avec quelque chose comme ce qu'ils ont pu, voilà, par exemple, inventer avec alors toute proportion gardée, hein, je dis pas que, mais par exemple pour un film comme John Wick, bah, ils ont réussi à ramener des formes du passé, mais en réinventant un univers, en apportant une nouvelle manière de filmer l'action, un nouveau style, et puis porté par un acteur un peu narcissique, mais qui veut se mettre en avant, mais qui met aussi du savoir-faire artisanal de films d'action en avant. Donc moi j'aime bien, je cherche à développer ce truc-là, en fait, à essayer de faire, et c'est un peu ce que je fais dans Burger Ninja, parce que on va pas se mentir, je me mets quand même bien en avant, c'est mon héros, je suis quand même le héros du film, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de créer un personnage, d'incarner un personnage héroïque,
dans un film de long métrage. C'est vraiment le truc, s'il y avait vraiment un projet à faire, ce serait ça. Et voilà quoi. Donc je ne sais pas encore de comment je pourrais le faire. C'est vrai qu'avec ma copine, on a déjà tourné quelques petits courts métrages, mais qui sont plus naturalistes, qui n'ont pas vraiment de narration, qui sont plus sur des thèmes qui me sont chers. Mais l'idée, ce serait un peu, voilà, serait un peu de mélanger Hamburger Ninja avec les films un peu naturalistes que j'ai fait avec ma copine, bon, et apporter un peu ces deux univers-là, les faire se télescoper un petit peu, et pour amener quelque chose d'un peu singulier. Mais voilà, vraiment essayer de créer quelque chose de singulier à travers une figure héroïque et un style de film, voilà, un nouveau style, et faire de l'action et à dimension héroïque sur dans un film. En fait. C'est plutôt ça qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de développer ces trucs-là, vraiment de manière dans l'absolu. Quoi. Espérons que tu y arrives. Voilà. Merci à toi, Max Pereira, pour cette interview. Et j'espère que tu as apprécié raconter un petit peu de toi à travers d'interviews passionnantes sur en plus l'histoire du cinéma hongkongais et en même temps qui se télescope avec un petit peu ta vie. Avec ma vie, ouais. C'est vrai que le cinéma de Hong Kong et ma vie, ça se. Mais ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, d'avoir passé. Autant de temps à me poser des questions et à m'écouter. Et puis, j'espère te revoir à l'occasion dans d'autres circonstances. Avec voilà. Et même pour des projets peut-être, que je te dis. Je sais pas si tu as vu le Loopman, mais on espère encore faire encore mieux dans les prochains. Et même comme ça, on commence de plus en plus à avoir une certaine qualité que j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, voilà, avec une espèce d'esprit comme ça, on va dire à l'ancienne, on va dire pas à l'ancienne, mais on va dire un esprit... de camarades, quoi, faire quelque chose entre passionnés et entre camarades, c'est toujours bien. On va dire, je te rejoins par rapport à ça, effectivement, le côté plus camaraderie, pardon, des fois je bégaye. Bah, t'inquiète, après, plusieurs voilà, hein. Mais effectivement, donc, c'est toujours plus marrant de tourner des films avec des gens dans un bon état d'esprit qu'avec des acteurs qui des fois, vont juste se croire meilleurs que ce projet. C'est mieux de s'amuser. Entre gens passionnés, voilà, c'est ça en fait. Tu t'amuses, t'es passionné, t'essaies de faire un truc, il sort ce qui sort, mais au moins tu l'as fait et c'est pour le plaisir. Quoi. Et puis tu le distribues à tout le monde et c'est cool. Et puis merci à tous de m'avoir écouté.